Música Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle communication sur euh, la chaîne A Contrario, euh, communication bientôt disponible sur la chaîne R du Battage. Prière, s'il vous plaît, de me faire savoir si vous me recevez correctement. Euh, merci de m'indiquer si vous me recevez correctement, nous allons pouvoir débuter. Merci. Parfait, merci. Alors, merci à ceux qui, comme souvent, prennent le, le, le temps de, de se connecter. Merci également de partager euh, ce live dans, sur les différents supports. Si vous avez cette possibilité, bien sûr, puisque, euh, comme j'ai souvent euh, l'habitude de dire, je n'ai pas moi la possibilité d'annoncer à l'avance euh, euh, les lives que je réalise via des euh, chaînes A Contrario ou Air de Battage. Et cela est souvent en fonction du temps dont je dispose pour euh, m'adonner à de tels exercices. Donc, aujourd'hui, le sujet est relativement dense, nous allons parler de ce que nous avons appelé les simulacres d'Osiris, les simulacres d'Osiris qui est en fait une introduction à la pensée religieuse des peuples soudanais. Par soudanais, on peut entendre subsaharien car naturellement, comme j'ai également l'habitude de le dire, ce qui est vrai pour les soudanais l'est en réalité pour tous les peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara. Donc merci, s'il vous plaît, de partager. Le live dans les différents groupes, euh, si vous soupçonnez que ces groupes pourraient être intéressés par cette communication, car euh, nous allons euh, pouvoir échanger sur des, des notions importantes euh, qui vont certainement nécessiter de vous, in, de vous interroger euh, parfois, puisque je souhaite faire de cette communication un dialogue et non pas un monologue, et avec l'idée que... Vous aurez la possibilité donc de réagir aux éventuelles questions que, que j'aurai à poser. Donc le thème aujourd'hui, je l'ai dit, c'est euh, cette communication a pour intituler Les Simulacres d'Osiris, une introduction à la pensée religieuse des peuples soudanais. Les Simulacres d'Osiris, une introduction à la pensée religieuse des peuples soudanais. Bon. Alors euh, je tiens également à dire, avant euh, d'engager en fait, d'aller au, au sujet qui, qui, qui nous rassemble aujourd'hui, qu'une part essentielle de ce que je veux dire aujourd'hui est présent dans euh, ces ouvrages que vous avez ici exposés, ouvrages qui sont disponibles sur Internet, euh, sur Amazon notamment. Et euh, il y a donc certains aspects. Je le dis parce que euh, euh, nous allons certainement. À, aborder certaines notions, mais il, on pourra, on pourra sortir, de, sortir de là avec le sentiment qu'il reste encore beaucoup, beaucoup à dire et beaucoup à apprendre euh, de, ce que, de ce qui aura été dit. Donc pour euh, euh, en, savoir, en savoir un peu plus, hein, pour ceux qui, qui le souhaitent bien sûr, vous avez la possibilité euh, de vous orienter vers ces ouvrages, notamment la, la revue Kumaba, qui en est à sa huitième édition et qui traite de certains aspects du sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Voilà. Alors, euh, je commencerai par euh, euh, évoquer une histoire qui est aussi un, un mythe, puisqu'il s'agit en quelque sorte euh, du mythe sociogonique de la civilisation égyptienne, de la civilisation des bords du Nil, où nous apprenons qu'Osiris est le premier roi. De l'Égypte, qui va être piégé et ensuite assassiné par son frère appelé Seth, et que Isis, son épouse qui est aussi reine, bien sûr, va entreprendre de rassembler les morceaux du corps d'Osiris. Isis va entreprendre de rassembler les morceaux d'Osiris. Et nous apprenons également ceci d'après l'œuvre de. Plutarque que vous connaissez sans doute, intitulé le traité d'Isis et Osiris. Isis va donc euh, demander chaque fois qu'elle découvre un morceau du corps euh, d'Osiris, un morceau du corps démembré d'Osiris, va donc demander aux habitants de cette localité eh bien d'élever un temple en souvenir d'Osiris. En souvenir d'Osiris, vous savez, d'après le mythe que Osiris a été démembré, découpé en 14 morceaux, dont seulement 13, bien sûr, ont été découverts, retrouvés par Isis, le 14e étant bien sûr le membre viril qui aura, comme on le sait, disparu dans les eaux du fleuve Nil. Bon. Pourquoi j'ai introduit cette communication par ce bout, le, cet énoncé en fait qui concerne, comme, comme je l'ai indiqué en introduction, la passion d'Osiris, en fait, c'est ce qu'on appelle la passion d'Osiris. Eh bien, c'est parce que le sujet porte, j'ai dit également, sur les simulacres d'Osiris. Tout à l'heure, je vais définir ce que c'est qu'un simulacre, donc vous allez certainement mieux comprendre de quoi je parle. Mais euh, ceci ne se comprend qu'en fonction de cette introduction, qui, bien sûr, nécessite quelques quelques développements si on le souhaite, mais enfin je pense que ce que j'ai pu dire ici jusqu'ici suffira certainement comme base pour euh, les développements qui vont suivre. Donc cela veut dire en clair que les temples égyptiens, les temples égyptiens ont été bâtis d'après le mythe en fonction des lieux où ont été découverts les morceaux du corps d'Osiris. C'est ce que peut suggérer ce mythe. Alors j'ai parlé la dernière fois dans un récent live crois, il y a une semaine. J'ai abordé certains aspects qui touchent également à, à ce discours sociogonique, notamment lorsque j'ai parlé des étoiles et de la symbolique qui se rattache au chiffre, au chiffre 14, en fait, qui revient à 5. Euh, voilà, parce qu'en réalité, c'est de cette manière que les peuples soudanais réduisent, en fait, le dénombrement. 5, qui est également le, le, le thème, en quelque sorte, de la croix et le chiffre en, euh, de Connie, qui est le. Euh, le demi-urge de la cosmogonie des peuples mandés. Hein. Bon, ça, c'est encore un aspect, mais je le dis parce qu'il y a un lien intrinsèque entre le discours sociogonique de, de, de l'Égypte pharaonique et ce que disent aujourd'hui les peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara en général, et en particulier, bien sûr, les peuples soudanais, sur lesquels je vais essentiellement m'appuyer aujourd'hui pour éclairer certains aspects, naturellement, de cette civilisation que nous appelons la civilisation égyptienne. Donc, ce qu'il faut retenir à ce stade. Ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que les temples ont été bâtis au lieu où Isis aurait découvert les morceaux du corps démembré d'Osiris. Et vous savez que euh, lorsqu'on parle de 14 morceaux, on peut étendre ce tu sais, dénombrement à 266, qui est le nombre des signes. Parce que les signes sont fondamentalement, étroitement, intrinsèquement liés même aux étoiles qui eux-mêmes sont liées, bien sûr, aux temples. Hein, parce que les... j'ai rappelé la dernière fois que on peut faire une analogie entre les étoiles et les morceaux du corps d'Osiris, puisque Osiris étant le héros culturel, eh bien, c'est son corps qui a été démembré, c'est-à-dire c'est son corps qui a explosé à l'origine des temps, une explosion qui est souvent assimilée, comme vous le savez en sciences euh, euh, contemporaines, à ce que nous appelons en fait le Big Bang. Donc, les étoiles sont dans cette description, elles ont une relation intime avec les temples qui eux-mêmes sont liés aux morceaux du corps démembrés du héros culturel je vais lire un passage qu'on trouve chez Diodore de Sicile alors rapidement, qui est Diodore, Diodore de Sicile c'est un auteur euh, euh, on va dire grec tout au moins d'expression grecque, c'est mieux de le dire de cette façon, puisqu'il est de Sicile bon, voilà et euh, qui a publié autour du premier siècle un ouvrage important qui a pour titre de la bibliothèque historique dans, le, ouvrage dans lequel il rapporte un certain nombre de faits qui se rapportent à l'antiquité tardive et il évoque dans un chapitre important, donc l'Égypte pharaonique, euh, à la différence de certains auteurs qui parlent de l'Égypte sans jamais y avoir mis les pieds, de l'ordre de Sicile a l'avantage d'avoir voyagé en Égypte, de s'être entretenu avec les prêtres égyptiens et les prêtres éthiopiens, c'est-à-dire les, les émissaires éthiopiens qui vivaient en Égypte. Il okay, a visité l'Égypte depuis Alexandrie jusqu'à Thèbes et son témoignage est pour ce fait donc une ressource importante lorsqu'on souhaite en fait questionner. Cette civilisation, bien que, bien sûr, l'écriture euh, de Diodore de Sicile advient à une époque relativement tardive, hein, au regard, bien sûr, de la longue histoire de l'Égypte pharaonique. Mais euh, ce que dit Diodore de Sicile est pour nous une ressource qui va nous permettre d'introduire le sujet. Il dit ceci. À la suite, donc, de ce que je viens d'introduire, c'est-à-dire la quête d'Isis et le combat, entre guillemets, qui oppose Isis au Russe, à Seth, qui est son oncle, euh, qui va donc. Euh, euh, s'accaparer en quelque sorte du trône d'Égypte à la mort d'Osiris. Voilà. En fait, l'histoire est longue. Ici, je, je ne donne que quelques éléments. Je vous invite, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, à vous orienter vers le traité d'Isis et Osiris euh, de Plutarque. Vous aurez des éléments, certainement, qui vont permettre de, 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 de conforter ce, ce que je ne fais que survoler aujourd'hui. La victoire étant demeurée à Isis, la victoire étant demeurée à Isis, elle y recouvra toutes les parties du corps de son mari, excepté celles que la pudeur défend de nommer, c'est-à-dire le membre viril. Donc, la victoire étant demeurée à Isis, elle y recouvra toutes les parties du corps de son mari, c'est-à-dire Osiris, excepté celles que la pudeur défend de nommer. Pour cacher la manière dont elle voulait l'ensevelir et rendre en même temps son tombeau célèbre et recommandable dans toute l'Égypte, on dit qu'elle eut recours à cette adresse. Elle fit faire autant de figures de cire mêlées d'aromates et de la grandeur d'Osiris qu'elle avait trouvées de parties de son corps. Elle fit faire autant de figures de cire mêlée d'aromates et de la grandeur d'Osiris qu'elle avait trouvée de parties de son corps. Elle mit une de ces parties en chaque figure et, appelant chaque société de prêtres en particulier, elle leur fit jurer qu'ils lui garderaient le secret sur la confidence qu'elle allait leur faire. Là-dessus, elle assura chacune des sociétés de prêtres qu'elle l'avait préférée à toutes les autres pour être le dépositaire du corps entier d'Osiris. Là-dessus, elle assura chacune de ces sociétés de prêtres qu'elle l'avait préférée à toutes les autres pour être la dépositaire du corps entier d'Osiris, qu'ainsi, c'était à eux à le porter dans le lieu qu'il desservait et à se charger de son culte. Elle enjoignit ensuite à chacune d'elles de choisir un animal tel qu'il voudrait qui représenterait Osiris, auquel on rendrait pendant sa vie les mêmes respects qu'à Osiris et qu'on en sévérirait. Avec les mêmes honneurs, ou de la sorte avec les mêmes honneurs, dépendamment des traductions euh, qu'on peut avoir de ce texte. Elle enjoignit ensuite à chacune d'elles de choisir un animal tel qu'il voudrait, qui représenterait Osiris, auquel on rendrait pendant sa vie les mêmes respects qu'à osiris et qu'on ensevelirait avec les mêmes honneurs alors cette note est importante parce qu'elle permet d'inscrire en quelque sorte une elle, elle, elle offre en quelque, sorte une, une, en quelque sorte une suite à la découverte des morceaux du corps d'Osiris, on y apprend qu'Isis va, rasse... qu va rassembler les sociétés initiatiques de l'Ancienne Égypte, c'est-à-dire, pour être clair, le clergé, et elle va donc confier à chacune de ces sociétés une figurine ou une figure de cire mêlée d'aromates et de la grandeur d'Osiris. Cette figure de cire mêlée d'aromates et de la grandeur d'Osiris, c'est ce qu'on appelle les simulacres d'Osiris. Les figures de cire mêlées d'aromates et de la grandeur d'Osiris fabriquées par Isis, figures dans euh, lesquelles elle aura pris le soin d'introduire ou de cacher, si on le souhaite, l'un des morceaux du corps d'Osiris, ces figures-là sont habituellement appelées des simulacres d'Osiris, raison pour laquelle bien, cette communication est à pour titre les simulacres d'Osiris, car nous allons parler, dans le détail, en fait, de ces fameuses figures de cire mêlées d'aromates et de la grandeur d'osiris qu'elle avait trouvées, euh, comme, comme dit le texte en tous les cas, qu'elle fit faire autant de figures de cire mêlées d'aromates et de la grandeur d'osiris qu'elle avait trouvées de partie de son corps. Autrement dit, au nombre des morceaux découverts correspond le nombre de figures de cire mêlée d'aromates fabriqués par Isis. On sait qu'elle en, qu en a découvert 13, mais on sait que ces 13 morceaux sont dans la perspective euh, des signes qui sont au nombre de 266. Je l'ai rappelé la dernière fois pour ceux qui ont pu suivre le, le, les derniers laves que j'ai pu faire, et qu'en réalité, on trouve ici une relation qui unit ces figures de cire. Si vous suivez en fait... Description. Donc, on trouve ici une relation qui unit ces différentes figures de cire mêlées d'aromates, bien évidemment, aux astres, c'est-à-dire aux astres, aux astres et constellations qui sont elles-mêmes, qui sont eux-mêmes en quelque sorte associés, bien évidemment, aux signes. Bon, la chose paraîtra certainement plus claire ensuite. Bon, alors, à la suite de cela, Diodore de Sicile poursuit en disant ceci Isis voulant engager les prêtres. Par des bienfaits extraordinaires à exécuter fidèlement ses intentions leur donna en propre le tiers de l'égypte pour leur entretien et pour les frais des sacrifices les prêtres persuadés par les discours et par les dons d'isis et se ressouvenant des biens qu'ils avaient reçus d'osiris même firent tout ce que la reine souhaitait c'est pourquoi chaque société sacerdotale autrement dit chaque société initiatique se vante jusqu'à ce jour d'avoir le corps d'Osiris, nourrit un animal sacré en sa mémoire et renouvelle les funérailles de ce prince à la mort de cet animal. C'est pourquoi chaque société sacerdotale se vante jusqu'à ce jour d'avoir le corps d'Osiris, nourrit un animal sacré en sa mémoire et renouvelle les funérailles de ce prince à la mort de cet animal. Bon. Qu'est-ce que ceci signifie en clair Ceci signifie que Isis a joué de ruse d'une certaine façon, puisqu'elle a fait croire à chacune des sociétés initiatiques, c'est-à-dire les sociétés sacerdotales d'Égypte pharaonique, qu'elle possédait elle seule le véritable corps d'Osiris, quand en réalité, elle avait dispersé dans les figurines fabriquées les différents morceaux. Donc chaque société, en réalité, tenait dans la figurine remise par Isis l'un des morceaux, mais... Elles restaient convaincues puisque la reine leur avait instruit euh, du fait qu'elle que, qu qu avait préféré chacune d'elles pour recevoir le corps entier d'Osiris. Et bien, chaque société sacerdotale pensait de tenir le corps entier d'Osiris, euh, quand en réalité, il ne s'agissait qu'un seul morceau. Okay? Bon. Donc, ici, je vais définir rapidement à ce qu'on appelle un simulacre. J'ai déjà, déjà introduit le sujet, je vais simplement préciser certains aspects maintenant. Le mot simulacre vient du latin simulacrum, qui signifie image, statue, idole, représentation d'une divinité, portrait, figure, reflet dans un miroir ou mannequin, hein, mannequin d'osier. D'accord Donc, le mot... Simulacre provient du latin simulacrum, qui signifie image, statue, idole, représentation d'une divinité, portrait, figure, reflet dans un miroir ou mannequin. Dosier. C'est bien important d'avoir cette définition, car l'essentiel de ce que nous allons dire ensuite va tourner autour en fait de cette représentation, de cette idée là. Qu'est-ce que c'est qu'un simulacre et en quoi cela peut permettre de réactualiser d'une certaine manière le corpus initiatique ou, on va dire, religieux traditionnel des, des sociétés euh, subsahariennes. Voilà. Alors, il se trouve que nous savons exactement, nous savons précisément de quoi Diodore de Sicile parle lorsqu'il dit qu'Isis a fabriqué des figures de cire. Ces figures de cire portent un nom en égyptien pharaonique, c'est-à-dire dans la langue des anciens égyptiens. Et ce nom, le voici à gauche. Alors c'est une graphie, comme vous le voyez, c'est-à-dire un ensemble de signes, ensemble de signes auxquels on affecte les valeurs alphabétiques. Donc la translittération est quelque chose comme senti, ça c'est la convention en égyptologie. La traduction, c'est image. Image, d'où la notion de simulacre. Et naturellement, vous avez également, vous avez également la source, c'est-à-dire le Wörterbo, autrement dit le dictionnaire allemand d'égyptologie. D'accord Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire Je suis en train de dire que nous savons exactement de quoi Diodore de Sicile parle lorsqu'il dit qu'Isis a fabriqué hein, des simulacres. Simulacres dans lesquels elle aura pris le soin d'introduire l'un des morceaux, hein, à chaque fois l'un des morceaux du corps d'Osiris. Okay? Bon. Ce simulacre-là, fabriqué par Isis, porte un nom dans la langue des anciens Égyptiens. Ce nom, le voici ici à gauche. C'est translittéré, comme vous le voyez, quelque chose comme senti. C'est une convention en égyptologie, je vous rappelle, ce n'est pas un vrai mot. Qui existe dans la vraie vie, mais euh, c'est une structure consonantique qui émane, qui résulte en quelque sorte des valeurs alphabétiques affectées au signe de cette graphie. OK? Et le sens de cette graphie, c'est image. Or, cette graphie-là, que vous voyez, qui signifie image, provient d'une autre graphie qui est ici en B, c'est-à-dire. À droite également transitéré vous le voyez senti mais qui a le sens de ressemblance apparence forme donc je reprends les raisons pour lesquelles j'expose ce tableau que vous avez sous les yeux c'est parce que à gauche vous avez le nom que portent les simulacres d'osiris fabriqués par isis simulacres qui je le rappelle contiennent les morceaux. Hein? Chaque similaire, s'il y en a plusieurs, bien sûr, contient un morceau du corps d'Osiris. Le sens est ici image, sauf que nous savons qu'en Égyptien pharaonique, cette graphie qui est ici à gauche provient de la graphie qui se trouve à droite, qui a le sens de ressemblance, apparence, forme. Dans l'absolu, on comprend que et bien sûr, c'est le même champ sémantique, puisqu'une image procède également de la ressemblance, de l'apparence, de la forme. Mais cette nuance va nous permettre de comprendre quelque chose en particulier et va également nous permettre d'entreprendre une approche analytique, c'est-à-dire une lecture analytique de ces graphies pour comprendre non seulement de quoi il s'agit, mais à quel mot, au sein des langues subsahariennes actuelles que nous parlons en Afrique subsaharienne, ben, se rapportent les simulacres d'Osiris c'est-à-dire les images, les statues à la ressemblance d'Osiris. Bon. Il se trouve que ce mot qui a pour sens ressemblance, apparence, forme duquel provient la notion d'image en égyptien pharaonique, image qui évidemment renvoie au simulacre, possède ce qu'on appelle un homographe. Qu'est-ce que c'est qu'un homographe, ou tout au moins, qu'est-ce que c'est que des homographes Vous le savez déjà. Les homographes sont des graphies qui s'écrivent de la même façon, mais en un sens différent. OK Je répète. Les homographes sont des graphies qui s'écrivent de la même façon, mais en un sens différent. L'avantage de questionner les homographes, qui est une technique en usage dans ce que nous appelons la méthode Kuma, c'est-à-dire la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens à partir des langues africaines modernes, eh bien, l'avantage de ceci, c'est que nous savons que les homographes rendent compte de ce qu'on appelle des homophones, ou si vous voulez, des homonymes dans la langue parlée. D'accord? Donc, d'un côté, nous avons la notion de ressemblance, d'apparence et de forme. De l'autre côté, nous avons le verbe « passé ». Vous observerez d'ailleurs qu'ici, hormis quelques nuances, évidemment, les signes sont les mêmes, mais sachez que ces deux graphiques que vous avez sous les yeux possèdent deux déterminatifs. Euh, Donc un, bien sûr, c'est le déterminatif de la marche, hein, qui représente un pas, c'est-à-dire l'action de marché, accompagné, vous le voyez, d'une sorte de signe oblong, on va comprendre de quoi il s'agit. Mais en tous les cas, hormis quelques nuances, au Niveau de, des représentations, nous savons que ces graphies sont des homographes également d'après la transitération qui est identique parce que nous considérons comme homographes euh, évidemment des graphies qui partagent les mêmes signes, mais puis il peut y arriver que certaines quelques nuances s'y introduisent, mais cela ne modifie pas en quelque sorte le résultat phonétique. Donc lorsque vous faites des vérifications, vous devez également tenir compte, bien évidemment, des valeurs phonétiques, c'est-à-dire alphabétiques, affectées aux différents signes, c'est-à-dire de la transitération, pour valider le fait qu'il s'agit bien évidemment bien d'homographe, c'est-à-dire d'homophone, en fait. Hein, c'est à, à ça qu'on le reconnaît. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que nous savons nous avons le sens de cette deux graphies. D'un côté, ressemblance, apparence, forme de l'autre côté, le verbe passé. Hein, ce qui sont des notions qui, a priori, n'ont aucun lien. Aucun lien. Bon. Mais l'avantage de ceci, c'est quoi? C'est que nous allons donc questionner l'homographe pour apporter un éclairage sur le mot qui nous intéresse, c'est-à-dire la notion de ressemblance, d'apparence et de forme qui donne lieu au simulacre d'Osiris. Et l'avantage que nous avons, c'est que nous avons le bénéfice du copte. Qu'est-ce que c'est que le copte? Le copte est une langue aujourd'hui morte. On peut le considérer, enfin, c'est généralement dit de cette façon, quoi que ce soit un peu. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais enfin, en général, on peut le dire, sauf si on rentre dans, quelques, dans les détails, mais aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire d'aller dans le détail. Langue qui apparaît, qui surgit d'une certaine façon autour du 3e siècle et qui est une langue également réputée être, comme j'ai l'habitude de le dire, langue réputée être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens. Et nous savons à quoi correspond cette graphie, qui est l'homographe du thème qui nous intéresse en fait. Mais avec le copte, nous avons donc la valeur prononcée, c'est-à-dire nous savons comment ça se dit. Sachant que, que ce sont des homographes, c'est-à-dire des homophones, bien si nous savons comment le verbe passer en égyptien pharaonique est rendu en cop, c'est que nous savons automatiquement comment est prononcé le nom des simulacres. Cela tombe sous le sens. J'espère que chacun comprend l'exercice. Cette graphique correspond exactement au copte siné ou sini, qui signifie passer, franchir, dépasser, mais également au bambara, parce que. J'ai peut-être manqué de le dire, mais vous devez savoir que le bambara et le malinké sont des langues affiliées, évidemment, au copte. On le sait d'après les travaux de Lilia Somburger, qui dans les années 30 a théorisé là-dessus et démontré et montré qu'en réalité, le malinké et le bambara, notamment, sont dans la continuité du copte. Ça, je le dis pour ceux qui euh, ne, ne savent pas cela. Mais dans nos travaux, nous en, nous en, avons, so nous en avons souvent fait. Enfin, euh, nous, en so nous en avons souvent parlé. Raison pour laquelle je ne vais pas nécessairement... Euh, l'explicité aujourd'hui. Je renvoie pour cela à certains, certains travaux que nous avons pu faire déjà par le passé. Voilà. Donc, cette graphie, en tous les cas, correspond au copte siné ou sini, qui signifie passer, franchir, dépasser. Au bambara, alors le bambara a plusieurs variantes, mais c'est le même mot qui mute à l'intérieur même du bambara. Je le dis parce que vous allez voir comme ça plusieurs prononciations. Vous pouvez penser que ce sont des mots différents, mais en bambara, c'est le même mot qui change. Mais c'est le même mot pour signifier une seule et même chose, c'est-à-dire le pas. On peut dire saigner. Signé, Seña, Senta, Sien, Chien ou Sien. En Bambara, pour le pas. En malinqué, c'est également la même chose, mais je vais simplifier et retenir simplement la forme Senta pour signifier le pas. Puisque vous savez que le Malinke et le Bambara, c'est quasiment, si ce n'est en fait, la même langue. Donc, je reprends ceci. Je dis Cette graphie que nous questionnons, nous la questionnons pourquoi Nous la questionnons parce qu'il s'agit d'un homographe du thème de la ressemblance qui renvoie à la notion de simulacre, c'est-à-dire les statues à l'image d'Osiris fabriquées par Isis. Bon, ça c'est clair. Cette graphie-ci connaît une valeur prononcée en copte, ce qui est donc pour nous un pas sûr, c'est-à-dire que nous avons à la suite de cette observation la certitude de la manière dont elle est prononcée. Pourquoi pour nous, c'est important de questionner ce fait. C'est parce que nous savons que les homographes, il faut dire des homophones. Donc, si nous savons comment se lit cette graphie, c'est qu'automatiquement, nous savons comment se lit, en fait, le thème de la ressemblance. Voilà. OK? Et cette graphie correspond au copte sine, ou "sini", qui signifie passer, franchir, dépasser. Mais également au bambara car en réalité c'est le même mot. Je pense que vous pouvez l'observer. En bambara c'est saigner, signé »,« seigna, senta, sien, chien, sienne en bambara pour signifier le pas. En Malinqué, on dit senta mais les formes citées en bambara sont également effectives en Malinqué. Sauf que ici je ne souhaite juste pas être long mais en réalité puisque je l'ai dit, alors. Cela est naturellement enregistré. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, ce n'est pas seulement le fait d'avoir la prononciation en Copte, parce que au-delà de cette prononciation fournie par le Copte, nous voulons savoir quelle est l'air, hein, la famille linguistique, la famille de langue, l'ère culturelle. Qui produit cette graphie, ça aussi, nous voulons le savoir parce que on peut se dire avec le copte, oui, puisqu'on a trouvé eh bien, cela suffit pour l'exercice, donc on peut progresser, c'est vrai. Mais dans une démarche analytique, nous avons les outils pour découvrir aussi à travers les signes, même parce que s'il n'y avait pas eu le copte, on aurait pu être bloqué à ce stade. Et ici, je veux vous montrer que même sans le copte, on parvient quand même à. À trouver, hein? on parvient quand même à un résultat probant pour la suite. Et l'exercice que j'entends maintenant a aussi le bénéfice, je l'indique, de rappeler l'ère culturelle, c'est-à-dire les langues, la famille de langues qui produit les hiéroglyphes. Parce que ici, ce sont des dessins, mais ce sont des objets qui sont représentés, donc qui portent des noms au sein des langues subsahariennes. Donc en questionnant maintenant le dessin pour ce qu'il est, on peut également parvenir à un résultat probant. Okay? Donc ici, j'encercle. Les déterminatifs, car cette graphie a la particularité d'avoir deux déterminatifs. D'accord Ce sont ces signes que j'ai entourés, c'est-à-dire cette sorte d'oblongue, euh, ce dessin plus ou moins oblong que vous voyez, et puis le déterminatif de la marche, c'est-à-dire qui représente un pas. D'où d'ailleurs le bambara saigné pour signifier le pas, ou chienne pour signifier le pas. OK Voilà pourquoi on sait que c'est cette graphie qui correspond au bambara, notamment saigné pour signifier le pas. Au Malinke, Senta pour signifier le pas. D'ailleurs, la structure phonétique, lorsqu'on transitait, à vous le voyez, c'est Senti ou quelque chose de ce genre. Hein, c'est ça. Senta en Bambara, Senta. En euh, Malinke, c'est le pas. C'est ce qui est écrit ici. Alors, je le dis aussi pour que vous ayez, bien sûr, cette information. Donc, nous allons questionner maintenant les déterminatifs. Pourquoi Parce que nous voulons savoir quelle est l'ère culturelle qui produit cette graphie. Puisque hein, certains chercheurs ont longtemps prétendu qu'il s'agissait d'une civilisation, disons, sémitique, donc venue d'Asie. Eh bien, c'est encore pour nous l'occasion de rappeler que cela ne se peut pas. Lorsqu'on rentre maintenant, évidemment, dans les, les corpus développés par nos ancêtres de la vallée du Nil, on ne peut pas questionner le fait, on peut pas, on peut pas je veux dire, questionner le fait qu'ils soient des Soudanais ou pas, hein, parce qu'en réalité, euh, nous disposons de suffisamment d'éléments pour le démontrer. C'est ce que nous allons faire ici. Donc, les deux déterminatifs en question sont des objets connus, d'après les relevés égyptologiques. Nous avons d'une part le signe classé N18 qui représente une étendue de sable, et d'autre part le signe classé D54 qui représente un pas. Donc je reprends. Les deux déterminatifs du mot pour signifier le pas, les voici. D'un côté, une étendue de sable de l'autre, le déterminatif de la marche, c'est-à-dire le pas, le dessin d'un pas, quelqu'un qui est en train de marcher. OK Bon. Il se trouve qu'en bambara, c'est exactement, ce sont précisément des homophones. C'est-à-dire que le scribe en fait donne ces deux déterminatifs parce qu'il sait que dans la langue qu'il parle, c'est le même mot que je veux prononcer. En bambara, le sable se dit tien. On peut dire tien tien si on le souhaite. On peut dire tien, c'est-à-dire on duplique tien parfois. En bambara, pour signifier le sable, Et on dit aussi tien. C'est le sable. Mais en bambara. Vous le voyez également, on dit tienne ou tienne pour signifier le pas. Hein, ce qui montre que ce sont les langues soudanaises, en l'occurrence les langues mandées, qui produisent la graphie qui est en train de nous intéresser. J'espère que chacun le comprend. Okay? Parce que ici, évidemment, ce n'est pas le hasard. Vous devez savoir qu'en arrière, et bien sûr, ce sont des langues qui sont parlées. Si nos ancêtres prennent le soin de dessiner une étendue de sable et le pas, c'est parce qu'ils souhaitent. Solliciter ces mots, les mots de ces objets représentés, et en l'occurrence ici, bien sûr, ce sont des homophones. Voilà pourquoi, sans même le copte, on est quand même capable de lire la graphie. Hein? D'après les déterminatifs, on comprendra de quoi il s'agit. À Malinke, c'est donc une variante, on dit tigné ou kigné pour signifier le sable, mais sachez, je le répète, que le Malinke et le Bambara, c'est la même langue. Et à malinqué, on dit senta pour signifier le pas, tout comme en Bambara d'ailleurs. Mais on voit bien qu'en réalité, nous avons affaire ici à ce qu'on appelle des homophones. Voyons clairement que nous avons affaire ici à ce que nous appelons, que nous appelons des homophones. Alors, je vais prendre ici une pause, simplement pour m'assurer que vous arrivez à suivre et que tout est clair jusqu'ici. Prière, simplement de l'indiquer en commentaire, parce que ça me permet de valider non seulement que vous m'entendez, mais que vous comprenez également ce que je dis. Merci. Ok, parfait. Euh, Medical device, merci <laughs> Merci d'avoir euh, interagi. Ça me permet de, 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 de valider que la chose est comprise et que jusqu'ici, vous arrivez à suivre. Merci à Kissy. Merci Elvis également. Parfait. Mais écoutez, je considère que vous parlez un peu pour tout le monde. Donc, si c'est clair jusqu'ici, vous comprenez en fait la démarche. C'est parfait. On va donc poursuivre. Bon. Si... Maintenant, c'est une question en fait que je pose. Si je sais que la graphique qui se trouve à droite, c'est-à-dire le verbe passer, transiteré senti, correspond notamment au copte, sine ou sini, bambara senta ou "sienne" ou tienne pour signifier passer, au malinke senta, enfin le pas, pardon, bambara, euh, sien c'est le pas, senta c'est le pas, en malinké senta pour le pas. À quoi peut, peut ressembler la valeur prononcée du thème de la ressemblance, de l'apparence et de la forme En fait, c'est une question qui n'en est plus une, si vous avez suivi la méthodologie que je suis en train d'appliquer, si vous avez suivi la démarche que je suis en train d'appliquer, parce que je vous ai dit que ce sont des homographes. Que les homographes produisent des homophones. Donc, si je sais comment on dit le pas, le verbe passer, en l'occurrence ici c'est signer ou signer, c'est que je sais à quoi correspond le mot qui renvoie au simulacre d'Osiris, c'est-à-dire aux objets cultuels qu'Isis va fabriquer en mémoire d'Osiris et qu'elle va confier donc aux différentes sociétés initiatiques. D'accord? Ça tombe sur le sens, ça va être le même mot. D'accord? Bon. Mais, on peut déjà le dire, on peut déjà le soupçonner, mais encore faut-il savoir le démontrer, car ici, le déterminatif, l'un des déterminatifs est un peu différent. Si vous observez, avant, c'était un, un signe oblong, tout simplement, mais ici, on rajoute une sorte de, 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 une sorte, de, sorte de crochet, si vous l'observez, pour signifier Ressemblance, apparence, forme. D'accord Donc, puisqu'il su ne suffit pas simplement de prononcer le mot et de croire qu'on sait de quoi on parle, et qu'il faut encore, puisque nous avons les outils pour le faire, découvrir la langue qui est en train d'être parlée dans ce contexte, on a déjà compris que pour le premier mot, en l'occurrence de verbe passé, ce sont des langues soudanaises, en l'occurrence pour être bien précis, le bambara, le malinké pour ne citer que ces exemples, eh bien, on va également faire le même exercice pour la ressemblance, l'apparence et la forme. OK ce signe représente non plus une étendue de sable, mais l'idée gâteau, l'idée offrande de nourriture. Donc, l'idée gâteau ou l'idée offrande de nourriture, c'est le signe classé X5 que vous avez ici représenté. Et ici, je donne les, les séries pour que vous sachiez de quoi il s'agit précisément. Merci à Kissi pour pour le don. C'est bien apprécié. Merci. Voilà, donc en Bambara, cette graphique que vous avez ici, là, hein, correspond notamment au Bambara. Bon, c'est traduit gâteau, offrande de nourriture, hein, c'est un thème générique, mais ça correspond précisément au Bambara kini, qui signifie riz, préparé. Bon, sachez que ce que je suis en train de faire ici a des répercussions dans la pratique culturelle. Les mots ne sont jamais vains, je le dis comme ça en passant, parce que vous pouvez croire que ce n'est qu'un exercice de linguistique. Non! Il y a en arrière de ce que je suis en train de rappeler ici une pratique concrète de la ritualité hein, dans les lieux où s'exerce la dévotion à Pharo ou au Nomo hein, ou à Osiris, si vous voulez, car c'est la même chose, vous le savez, je l'ai souvent rappelé. Donc, quand je dis offrande de nourriture et que ça correspond au Bambara Kini, riz préparé type de préparation pour les céréales. Vous devez savoir que automatiquement en Égypte de pharaonique ces objets-ci, ces repas-ci, riz préparés, type de prépa... enfin ce que les Bambara appellent kini, participaient du registre des offrandes. C'est automatique parce que les mots ne sont jamais vains. Je le dis pour que vous soyez éveillés vis-à-vis -vis de ces questions. Les mots ne sont jamais vains. Quand on dit quelque chose dans un contexte comme celui-ci en particulier qui se rapporte hein, aux objets cultuels, aux simulacres d'Osiris, sachez que tout ce qui sollicite la même manière, la même valeur prononcée, va nécessairement être sollicité dans le culte en question. Je le dis parce que ceci peut vous échapper. Ok. Donc en Bambara, on dit kini riz préparé, type de préparation pour les céréales. En malinqué, c'est kining, c'est le même mot. Le n que vous observez à la fin, c'est ce qu'on appelle une nasale. Il ne fait pas partie de la racine. Le mot c'est kining. Plat de céréales, riz cuit, riz préparé, à Mandinka, c'est kini, qui signifie tout simplement plat. On dit par exemple, qui ne manque pas de follow. Le repas n'est pas encore prêt. Hein? Le plat, c'est-à-dire le repas. Voilà pourquoi vous avez ici le sang générique de offrande de nourriture, idée éventuellement de gâteau. Gâteau, supposément gâteau de riz ou quelque chose de ce genre. Mais enfin, on comprend que les mots soudanais sont plus précis. Hein? Naturellement, parce que. Ceux-ci participe d'une culture, donc on comprend de quoi il s'agit. Et en kakabé, on peut dire kini pour signifier à la fois repas ou nourriture. D'accord Repas ou nourriture. En mandinka, on dira kini kenseng pour signifier plat sans sauce, donc repas sans sauce, si vous voulez. En gros, ça, ce sont des exemples simplement pour statuer sur la valeur prononcée. Et si vous êtes attentif, je vous ai dit que le sable se dit, par exemple, en malinke, c'est kinye ou kenye. En malinke. Ce sont des homophones. D'accord Voilà pourquoi même le signe peut se ressembler, mais il rajoute deux crochets pour indiquer que ce n'est pas tout à fait la même chose. Ici, ils sont plutôt en train de parler du gâteau, de l'offrande de nourriture. Et en tous les cas, la classification pour ce signe, c'est X5, d'après la nomenclature proposée par Alan Gardiner. Donc, c'est des choses que vous pouvez retrouver dans les manuels, les manuels de vulgarisation, les dictionnaires égyptologiques notamment. Okay? Pour ceux qui s'intéressent bien sûr à la matière. Je rappelle que c'est ce cas qui se réalise en C. Quand je dis en bambara kini, ré-préparé, et en cop, je dis sini, pour signifier passé. Sachez que le K et le C, mais évidemment, c'est la même lettre. Ce n'est qu'une question de mutation phonétique. Hein. Ça, à l'oreille même, ça peut s'entendre. Ce sont des relations qui sont courantes au sein des langues subsahariennes. D'accord Donc, c'est à cela qu'on sait que, pour ce qui concerne cet aspect spécifique du mythe, de ce qu'on appelle la passion d'Osiris, notamment en relation avec ce qu'on appelle les simulacres d'Osiris, c'est bien le vocabulaire sollicité dans ce contexte est spécifiquement soudanais. C'est important quand même de le dire. Et on arrive à cette conclusion d'après l'exercice analytique que je viens de conduire. Bon. J'ai dit, et ceci est en forme de rappel, que cette graphique que vous avez à droite, qui a le sens de ressemblance, apparence, forme, c'est celle-là qui donne l'idée d'image. Image qui renvoie bien évidemment au simulacre d'Osiris, aux représentations, aux portraits d'Osiris, ce qui ressemble à Osiris. OK? Voilà. Donc, il y a dans les solutions que nous venons d'apporter une relation immédiate entre la notion de ressemblance, d'apparence et de forme. Quoique nous n'ayons pas encore solutionné la graphie pour ce qu'elle est, nous avons simplement questionné les déterminatifs jusqu'ici. Je dois quand même vous le dire car vous devez vous en souvenir. Eh bien, nous savons que de toute manière, la transliteration est la même, donc évidemment c'est le même mot, mais écrit différemment du point de vue des signes. Mais il fallait passer par la démonstration avec les homographes, avec l'analyse, en fait, pour déjà statuer sur le fait que la langue qui est parlée ici, c'est une langue soudanaise, c'est-à-dire subsaharienne. C'est important. Bon, une fois que j'ai dit ça, je vais donc maintenant solutionner les graphies. Vous allez comprendre ce que c'est. Quand on parle des simulacres d'Osiris, c'est quelle est la base conceptuelle à partir de laquelle se déploie. Ce qu'on appelle un simulac, c'est-à-dire une représentation. Vous verrez plus tard de quoi il s'agit spécifiquement, mais ben pour l'instant, nous sommes dans les concepts pour comprendre de quoi il s'agit. Sachez que, et je l'ai dit, en Bambara, par exemple, on va dire tienne pour signifier le pas. Hein? Ce sont des solutions pour ces graphies. On sait que ce sont des homographes. Donc, quand je dis tienne pour le pas, le même mot va concerner ce qu'on appelle le simulac d'Osiris. Sachez qu'en Bambara, on dit tamatienne pour signifier signe, marque. Répère, modèle, patron, dans le sens de gabarit, dans le sens de modèle. Pour ceux qui font la couture, seront de quoi je parle. Je ne parle pas ici du patron en tant que chef d'une entreprise ou quelque chose. Non, le patron en tant que gabarit. C'est de cela qu'il s'agit. Le mot Bambara Tamachen. Bon, je l'ai dit déjà, vous devez le savoir, c'est un synonyme de Siou. Quand les Bambara disent Siou pour dire les signes, ils peuvent aussi dire Tamachen. Sauf que la dernière fois, j'ai amplement parlé de tiou, en rappelant que ce sont les signes en relation avec les étoiles. Mais maintenant, c'est une autre manière aussi d'aborder la question. Tamatien, c'est un mot composé de tama et de tien. Tama signifie marche, voyage, voyager. Hein? Ça peut être un verbe aussi. Tien okay? signifie le pas. Mais en français, ça se traduit par empreinte, parce que tamatien signifie littéralement marche pas. Mais en français, ça se comprend comme empreinte, c'est-à-dire trace, c'est-à-dire signe. D'accord Sachez également qu'en malinke ou en bambara, on dit centa pour dire le pas, mais en bambara, on dit tienda pour dire la divination, la géomancie. C'est pour ça que ce sont des homophones. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand on étudie, par exemple, quand je disais tout à l'heure qu'il y, qu y a un rapport entre l'action de passer, et les solutions qui vont arriver ensuite, et qu'on ne parle jamais en vain, on le comprend maintenant. On comprend pourquoi, dans le contexte égyptien, le déterminatif, tout au moins le mot pour signifier passé, et, le, et les mots qui se rapportent au simulacre, vous allez comprendre, participent d'un vocabulaire qui, 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 qui se ressemble. On comprend pourquoi, du point de vue des solutions, parce qu'on dit Senta, le pas, Tienda, la divination, la géomancie, qui se fait aussi par. Le décryptage des signes, des pas. Hein? Par exemple, du renard, pour les dogons, c'est cela. Les, ta les, les tables du renard sont bien connues. Dans la forêt, les chasseurs qu'on appelle les dozo, hein, c'est ce qu'ils font. Ils lisent les signes pour déterminer un ensemble considérable de choses. Je, 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 passe pas, je passerai les détails ici. Ça se fait on en Afrique subsaharienne, y compris bah, par exemple chez les bassas, ça se fait avec l'araignée. Ça s'appelle le Ngambi. On lit les signes de l'araignée pour prédire l'avenir, pour faire la divination. Les traces laissées par les, les empreintes laissées par les animaux servent à cela. Chez les Bambara, ils se servent aussi euh, d'un animal qui est appelé en français Oryctérope. Hein? Oryctérope. En Bambara, c'est tinba. Tinba pour signifier l'Oryctérope. On se sert également des, des, des traces laissées par le scarabée bousier chez les Bambara pour pratiquer la géomancie, la divination. Donc, ce sont des éléments qui sont fondamentaux. Parce que vous devez savoir que le simulacre. Quand on parle, on dit qu'Isis a mis dans le simulacre d'Osiris le morceau de corps d'Osiris. Sachez qu'on est en train de parler des signes. Parce que les morceaux d'Osiris s'apparentent évidemment aux signes qui eux-mêmes sont liés aux étoiles. Je l'ai dit à suffisant, je ne veux pas nécessairement y revenir. J'espère que vous... Est-ce que vous faites ce lien? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, dites-le moi, ça me permettra de savoir si je dois davantage insister ou pas. Merci. Ok, parfait, merci. J'ai quelques retours euh, qui me permettent de valider si les choses sont claires. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est bien simple. Ce que je suis en train de dire, c'est bien simple. Je suis en train de dire que ce que le thème, si l'on si souhaite, des simulacres qui se rattachent, le discours sociogonique des anciens Égyptiens, notamment euh, les figures de cire et d'aromates fabriquées par Isis, à la mémoire d'Osiris. Le, le thème de, 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 de ces figures se rapporte au vocabulaire que je suis en train d'indiquer ici. Parce que quand on parle d'un du morceau du corps du héros culturel, en l'occurrence pour ce qui concerne l'Égypte pharaonique, bien sûr, c'est Osiris, vous devez savoir que ceci se rapporte un certain nombre d'éléments qui procèdent de l'observation évidemment de la nature, notamment des étoiles, notamment des étoiles, okay? qui sont en relation immédiate avec les signes, au nombre de 266, je l'ai dit la dernière fois. Donc en bambara on dit tama-chien. Hein? Tien, c'est le même mot qui revient, mais maintenant pour signifier signe, marque, repère modèle, patron. Tama, c'est la marche, tien, c'est le pas. On va donc traduire en français par empreinte, c'est-à-dire le signe. C'est comme ça qu'on fait la divination. La divination participe des oracles. Les oracles, ce sont les temples. Parce qu'un temple, euh, temple d'Osiris, c'est nécessairement un oracle. D'ailleurs, le, 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 pour, pour, pour euh, étendre un peu la réflexion et conclure assez rapidement là-dessus, le mot même Vatican procède d'un du, 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 terme latin, je crois que c'est vaticinus, ce qui signifie faire des oracles, prophétiser. Ça, c'est pour que vous compreniez que ce n'est pas seulement en Afrique subsaharienne que la chose est demurée, c'est sorti d'Afrique, c'est-à-dire de Kama. Et on ne peut pas concevoir la chose autrement. Okay? C'est très important ce que je suis en train de vous dire là, parce que ça, c'est les fondations de ce qu'on appelle la spiritualité, dans ses attributs permanents, d une certaine façon. Donc, il faut bien comprendre comment la chose se met en, en, en œuvre. On ne peut pas imaginer un temple sans un signe. Chaque signe est affecté à un temps parce qu'il y a autant de temples qu'il y a d'étoiles dans le ciel. On dit généralement qu'il y en a 266, mais c'est parce qu'on veut cerner les quatre points cardinaux, parce que 266 c'est 5, Je l'ai dit, des... enfin, 266 c'est 14, c'est-à-dire 5 Donc, on va chercher les points cardinaux, mais il y a des millions et des millions d'étoiles en réalité. Donc, forcément, euh, c'est cela se ce rapporte derrière cette phrase énigmatique que le personnage de Luc de Jésus peut avoir à un moment donné. Il dit "Faites des nations mes disciples." C'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il est en train de parler là de ce que je suis en train de vous rappeler ici, c'est-à-dire l'explosion des origines, le corps des membres, du héros démembré. C'est de ça qu'il est en train de parler. Okay? Sauf que c'est dit d'une certaine façon, mais dans la réalité, c'est celle-ci que je suis en train de décrire. Okay? Donc, en bambara, on dit tienda pour signifier divination, et géomancie. Parce que, évidemment, la spiritualité, pour nos ancêtres, a commencé avec les signes, en relation, c'est-à-dire avec l'écriture. La raison pour laquelle il faut souvent rappeler à ceux qui le disent un peu facilement que les sociétés soudanaises procèdent de l'oralité essentiellement, c'est faux. Notre civilisation est fondamentalement attachée à l'écriture, à la parole, c'est-à-dire à, à l'écriture, parce que pour nous, la parole et l'écriture, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Bon, ça c'est un détail. Alors, alors, ici, je présente simplement une table de divination au Burkina Faso pour que vous sachiez de quoi je suis en train de parler. Ça, les Bambara appelleront ça chamachen, ou tsiu. C'est la même chose. Ce sont les signes qu'on trace pour la divination. Chez les Dogons, euh, on utilise les tables du renard, les traces laissées par le renard, c'est-à-dire Ogo, le renard pâle, que les Bambara Malinké appellent Pemba. D'accord C'est la même chose. C'est ce la même ère culturelle. Ici, c'est au Burkina Faso. Et ce sont des, des choses que vous allez pouvoir retrouver notamment dans la, la revue Kumaba, j'en ai parlé notamment la revue Koumabalo numéro 8, où il est spécifiquement question des signes, des signes d'écriture. Voilà. Donc ça, c'est pour illustrer le fait. Hein? Vous devez savoir dans quel champ on s'établit, euh, dans quelle culture, et comment la chose est pratiquée, comment elle est observée, et pourquoi ceci est important. OK. Bon. Je reviens maintenant à ce que j'ai dit au départ, puisque, vous le savez, j'ai dit que... Cette graphie que vous avez à l'image correspond au similaire au similaire que Isis, c'est-à-dire aux figurines, aux figurines, aux figures de, de cire et d'aromates qu'Isis va fabriquer et qu'elle va confier à différentes sociétés initiatiques pour qu'elle pour, pour que, pour qu soit célébrées en mémoire en fait d'Osiris. Et chaque société pensant bien évidemment de tenir en fait le corps entier d'Osiris quand il ne s'agit qu'en réalité que d'un seul morceau. Bon, c'est-à-dire d'une part. Donc, c'est Isis qui est en action, c'est qui rassemble les morceaux du corps de Jésus, vous le savez, hein, je l'ai dit. Donc, cette graphie-ci, maintenant, il faut la solutionner parce que ce n'est pas encore fait. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. J'ai simplement so so euh, sollicité Bambara Tamachen, parce qu'évidemment, ça correspond au Bambara Tamachen, qui signifie empreinte, mais chez les Dogons, la relation est beaucoup plus claire. Parce que si vous observez la transitération et les solutions, vous verrez de quoi il est question ici. En c'est Dogon par exemple, cette graphie hein, que vous avez ici à l'image, qui signifie donc image, correspond notamment au jamstedogon dogon sine, qui signifie image, portrait, silhouette, apparition. Au Togokan, kine, c'est pour ça que, tout à l'heure, j'ai rappelé que le K et le C sont interchangeables. Togokan Dogon, c'est kine qui signifie ombre, silhouette, et éventuellement âme. Au Dogon, sinde qui signifie portrait silhouette. Apparition au dogon kini qui désigne l'ombre. Donc je reprends. Cette graphie qui correspond au simulacre fabriqué par Isis à l'image d'Osiris correspond précisément au dogon sine qui signifie image, portrait. Silhouette, apparition. Togokan, kine, qui signifie ombre, silhouette, et éventuellement âme, car ce sont des thèmes polysémiques. Ici, si je me limiterai au sujet parce que je ne veux pas déborder, ce n'est pas essentiel. Walo, Sinde, qui signifie portrait, silhouette, apparition. Toroso kine qui signifie ombre. Bon, jusqu'ici, les choses sont relativement claires je crois ceci ne sauve aucune difficulté. bon, voici pour les solutions prononcées de la graphie. il fallait quand même y arriver, y parvenir, car ceci permet de statuer sur l'ère culturelle qui va produire donc cette connaissance sur laquelle nous allons exercer notre pensée aujourd'hui. bon, le mythe sociogonique égyptien nous dit quoi? le mythe sociogonique égyptien nous dit qu'isis va fabriquer ces ciné, c'est-à-dire ces simulacres, ces images, ce portrait, ces silhouettes d'Osiris à partir de la cire. J'espère que vous vous en souvenez. Le mythe, rappelé par Diodore du Sicile, nous dit qu'Isis va fabriquer, Isis va fabriquer les simulacres d'Osiris en se servant. De la cire enrobée d'aromates. Bien clair, l'objet ou la matière essentielle dont elle se sert, bien sûr, c'est la cire. Bon, ce qui va nous amener à questionner, premièrement, le nom que porte la cire en Égyptien pharaonique, puisqu'il s'agit d'un élément distingué dans le mythe. Nous devons savoir à quoi ceci se rapporte. Eh bien, les anciens Égyptiens ont un nom, ont un mot. Pour désigner la cire. Les anciens Égyptiens ont un mot pour désigner la cire. Ce mot le voici. Il est transitéré Meninque, quelque chose de ce genre. De toute façon, vous verrez comment ça se lit. On va le découvrir. Pour l'instant, je présente la transitération, c'est une convention et bien sûr la traduction, c'est le nom de la cire et vous avez également la source. OK Bon. Werner Vichil qui dans les années 80, début des années 80 publie un dictionnaire étymologique de la langue copte signale que qu'en Égypte antique la cire servait pour les applications médicales, c'est encore le cas aujourd'hui, mais également pour la confection de figurines magiques. Ce qui rejoint d'une certaine manière, bien sûr, ce que dit Déodore de Sicile lorsqu'il rappelle qu'Isis a fabriqué les figurines, c'est-à-dire les représentations d'Osiris, c'est-à-dire euh, oui, les figures d'Osiris, en se servant de la cire. Ici, si je présente donc euh, quelques figurines égyptiennes fabriquées à base de cire. Hein, ce que vous avez à l'image ici, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans les musées. Okay c'est pour signifier que c'est une tradition qui a existé. Ce ne sont pas des, des paroles sans, sans efficience dans la réalité. Ok, bon, donc Werner Vichil signale qu'en Égypte antique, la cire servait pour des applications médicales et la confection de figurines magiques. Hein, C'est euh, euh, ce second usage qui nous intéresse dans le contexte, puisque nous savons faire un lien entre eux, cette, cet usage de la cire et le discours sociogonique des anciens Égyptiens, ici rappelé par Dior de Sicile, puisqu'il nous dit qu'Isis est servi de la cire pour fabriquer des simulacres d'Osiris. C'est ce qu'il nous dit. Bon. Cette graphie que vous avez ici à l'image, et c'est une correspondance qui est d'ailleurs donnée par Werner Vichil dans son dictionnaire étymologique de la langue copte. Cette graphie qui est transitérée Menek ou quelque chose de ce genre correspond exactement au copte Moulek. Moulek qui signifie quoi Rayon de miel, cire, chandelle de cire, cierge, bougie. Alors, je vais reprendre. Et je rappelle, si c'est nécessaire de le faire, n'oubliez pas que tous les éléments que je sollicite dans ce contexte ont une réalité cultuelle. Ce ne sont pas des mots vains. Ce que je suis en train de dire, même si je ne rentre pas dans une description détaillée de, 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 de la pratique des cultes aux Syriens, etc., ce n'est pas nécessaire. Mais je le dis parce que vous pouvez perdre de vue cela. Vous pouvez simplement imaginer que nous sommes dans un exercice de linguistique, ce n'est pas ça. Je suis ici en train d'éclairer certains aspects de la civilisation et des traditions subsahariennes, sans aller dans le détail, bien sûr, mais soyez juste attentif à ce que je suis en train de dire. Cette graphie-ci, transitérée, ménèque, quelque chose de ce genre, correspond au copte moulek, parce que le N. Transcrit dans la transitération se réalise en N. Le L et le N, ce sont des, 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 lettres, des lettres très proches par la prononciation et souvent qui, certains, changent au niveau de la langue parlée. D'accord Donc, en cop, on va dire moulek pour signifier rayon de miel, cire, chandelle de cire, cierge, bougie. Retenez ça, c'est très important pour la suite. Donc, rayon de miel, bien sûr, cire, chandelle de cire, cierge, bougie. Correspondance copte moulek en association avec la graphie qui désigne la cire, qui est la matière dont se sert Isis pour fabriquer les simulacres d'Osiris. Bon. Sachez que c'est de ce copte moulek que provient cette simple série que je dégage parce que les mots sont d'usage dans l'univers soudanais, y compris même en arabe, parce que les arabes ont emprunté le mot. À Maoka, qui est le malin qui parlait en Côte d'Ivoire, on dit Maleka, pour qu'on traduit en français par ange. D'accord? En Yoruba, c'est le mot même copte. Moleka, pour signifier ange. C'est ça qui est Molek ici, qu'on traduit par rayon de miel, cire, chandelle de cire, cierge, bougie. Sachez que cette correspondance s'établit d'après ce qui est encore appelé les figures ou les figurines d'Osiris, c'est-à-dire les représentations D'Osiris, faite par Isis. Sauf que, on découvre qu'en réalité, eh bien dans le langage courant, notamment pour ce qui concerne les religions abrahamiques, eh c'est un mot qui est utilisé pour désigner les anges. En Minyanka, est une, qui est en fait le de, de du Mali, c'est meleke pour signifier l'ange. En ge, c'est malakote pour signifier la divinité. Donc on comprend le lien. Est-ce que les choses ici sont suffisamment claires. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit Est-ce que la relation que je suis en train d'établir est claire pour chacun d'entre vous Merci de l'indiquer, s'il vous plaît. Ok, parfait, merci à Kissy, c'est super. Donc je pense que je peux supposer que si c'est clair pour toi, ça l'est également pour tout le monde. C'est de là que vient le mot malak qu'on utilise par exemple en arabe pour dire les anges. Sauf que vous comprenez que ce qu'on appelle les anges là, hein, c'est-à-dire la base conceptuelle qui soutient ce qu'on appelle les anges là, ce sont les figurines. Égyptienne que je viens de présenter fabriquée à base de cire. C'est parce qu'elles étaient fabriquées à base de cire avec un copte. La, la cire se dit moulek, qu'on a transféré ce nom pour signifier les anges. Donc je reprends ceci. Je dis que en maoka, Maleka traduit aujourd'hui ange. C'est un terme souvent utilisé par les musulmans pour désigner les anges. Par exemple l'ange d'Ibril, c'est-à-dire Gabriel, etc. Ok. Bon mais je suis en train de vous expliquer que ce mot là qui apparaît aujourd'hui dans un nombre conséquent de langues soudanaises et également dans certaines langues sémitiques eh bien procède du copte moulek qui désigne la, le cierge la bougie la chandelle de cire pourquoi parce que la cire était la matière première utilisée pour fabriquer les figurines à la ressemblance d'osiris voilà la relation je l'ai dit je pense que, que c'est clair bon Ici, je présente donc ce qu'on appelle les anges. Hein. Souvent, euh, représent... Ils sont souvent représentés, bon, euh, comme, on, comme on peut le voir. Euh... Mais ce sont des images. Euh, J'insisterai davantage sur cet aspect, parce que parfois, on perçoit des vues. Ici, naturellement, c'est la libre interprétation euh, de certains racistes, mais les choses ne sont pas vaines. Parce qu'en réalité, vous, vous allez comprendre que ce qu'on appelle les anges sont réputés être, entre guillemets, des êtres de lumière. Je répète. Ce qu'on appelle des anges sont réputés être des êtres de lumière. Voilà même pourquoi le premier d'entre eux, qu'on appelle en fait Lucifer, son nom signifie celui qui porte la lumière. Hein? Vous comprenez bien ce que je dis. La relation avec la bougie, parce que la cire fabrique la bougie, est celle-ci qui explique l'usage des bougies, c'est-à-dire de la lumière, dans la pratique rituelle courante dans certains. Certaines, 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 certaines religions, je vais dire ça, ou éventuellement tradition, car évidemment, euh, ceci s'observe de part et d'autre, un peu, un peu partout en réalité. Mais ceci a une base, une source. Parce que ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est que ce qu'on appelle les anges ne sont que les manifestations de la lumière. Je vais l'expliquer. Ça va être clair. Mais Pour l'instant, je me limite parce que vous pouvez appréhender assez facilement, c'est-à-dire ces représentations que vous verrez dans les musées partout. Sachez que ce sont des images, c'est-à-dire des figures, généralement empreintes de la culture dans laquelle évolue l'artiste qui produit les, les images, car ceci n'est jamais vain. C'est pour cette raison qu'il peut être absurde d'avoir dans son environnement immédiat des images. Surtout qui sont culturelles, qui ne sont pas à l'image du peuple, ou qui, qui n'ont pas une affinité avec la culture dans laquelle est censée évoluer la soi-disant, enfin, la prétendue divinité. Ceci, je l'ai dit pour que vous compreniez que les conséquences parfois sont, sont dramatiques quand on ne comprend pas ce qu'on fait. Mais je présente ceci parce que c'est souvent ce qu'on voit dans les films, etc. Et naturellement, on donne des ailes aux anges pour signifier la vitesse. Car vous allez comprendre que même si je n'aborde pas ces aspects, il y a une relation avec la question de la vitesse de la lumière, ce genre de choses, je ne veux pas aller dans la physique, dans la chimie, toutes ces choses. Ce n'est pas utile aujourd'hui pour aller. Mais sachez qu'en arrière de tout ça, il y a de l'initiation. Il y a des choses qui sont concrètes. Ce pas juste des images pour faire joli. Non. Il y a des choses qui sont concrètes, qui se calculent d'une certaine façon. Mais je présente donc ce qu'on appelle des anges pour que vous ayez quand même à l'esprit la chose en question. Sachez, bien sûr, ce sont des images. Je le dis, j'utilise ce mot à dessin. Et que. Ces images qu'on appelle qui, qui deviennent des anges sont dans la description euh, de ce, de, 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 des figurines hein, fabriquées par Isis, parce qu'il y a de ce point de vue tout un, toute une réactualisation qu'il faut faire quand on parle, par exemple, des anges, ces choses-là. Sachez que, évidemment, les figurines fabriquées par Isis procèdent de la manifestation, hein, de la venue au jour, vous allez comprendre. Voilà pourquoi il y a... Une relation intime qui se dégage avec la notion de lumière quand on approche de ces questions. Je dis, ça va être plus clair, bien sûr, vous le verrez. Alors, ce qui m'interpelle maintenant, je n'ai pas souhaité insister là-dessus au départ, parce que je voulais premièrement signifier que nous avons réussi à faire à des lieux communs sans réellement le savoir, et que certaines traditions qui usent des mêmes d'une certaine façon peuvent être diabolisées, mais par ignorance. Quand d'autres qui font exactement la même chose sont évidemment euh, euh, célébrés, mais aussi par ignorance. D'accord Donc, ce qui est important maintenant, ce sur quoi je veux maintenant insister, c'est le déterminatif que le scribe utilise pour signifier l'image. Bien sûr, ici, il y a deux déterminatifs, je le rappelle. Le rouleau de papyrus scellé qui suit la momie hein, représente euh, les idées, les notions abstraites. L'image, c'est une notion abstraite. Voilà pourquoi. C'est en position de déterminer. Donc le véritable déterminatif en clair, en fait, c'est cette momie-là, ce cadavre que vous voyez là. Et maintenant, nous allons rentrer dans quelque chose un peu plus spécifique. Nous allons vraiment en pénétrer dans un paradigme, quelque chose de, de fondamental du point de vue de la vision du monde, le paradigme des sociétés soudanaises. Hein, vous allez certainement mieux comprendre. Et je rappelle bien sûr que cette graphique correspond au Djam, c'est Sine, Togokan, Kiné, Sindé, Kini, etc. Tout ceci est évidemment lié au portrait, à la silhouette, à l'ombre, qui sont des notions qui se rattachent à la lumière. Parce qu'on ne peut pas parler d'image, de portrait, de silhouette ou d'apparition si, 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 si on ne suppose pas qu'il y ait lumière. Je pense que vous comprenez la chose, il faut que ce soit clair. Donc, mais ce qui m'importe ici, ce n'est pas seulement de le dire, car tout le monde peut le dire, chacun sait le dire. Une image, une silhouette, l'ombre ne se conçoit qu'en vertu et en fonction de la lumière. Donc, c'est évident, a priori, en tout cas, on peut le considérer comme tel. Sauf que ce qui est moins évident, c'est le déterminatif que le scribe choisit, qui est un cadavre, c'est-à-dire une momie, qui est la forme perpétuelle d'Osiris. La forme perpétuelle d'Osiris sert de déterminatif pour l'idée image. Bon. La question que vous devez vous poser à ce stade-ci, c'est qu'est-ce qu'une image Avec en toile de fond l'idée selon laquelle les simulacres d'Osiris sont des images. Nous avons vu que dans la perspective, bien sûr, ces images rattrapent la notion d'ange, mais ce n'est même pas le sujet principal que, qui m'intéresse aujourd'hui. Je laisse simplement l'indiquer parce que souvent on parle des choses sans réellement savoir de quoi on parle, puisque certains sont encore imaginés que la civilisation égyptienne était une civilisation polythéiste. Quand les anges existent et bien même dans le discours général des sociétés des traditions abrahamiques, donc c'est absurde de, de continuer à le dire. Mais enfin, je voulais quand même le dire, le montrer tout au moins pour que chacun comprenne bien de quoi je suis en train de parler. Bon, donc la question à ce stade que vous devez vous poser est la suivante Qu'est-ce qu'une image et pourquoi le cadavre sert de déterminatif à la notion d'image en égyptien pharaonique pourquoi le cadavre est la forme perpétuelle d'Osiris Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Osiris rentre dans l'histoire Parce qu'il n'a pas d'autre forme. Hein? Il rentre dans l'histoire comme un cadavre. Qu'est-ce que ça veut dire Voilà. Pour répondre à cette question, il n'y a pas besoin de faire de la longue philosophie. Ce n'est pas, pas utile, ce n'est pas nécessaire. Ce qu'il faut savoir, c'est connaître les mots. Les mots du cadavre au sein des langues subsahariennes. En particulier dans les langues soudanaises. Parce que, évidemment, dans le contexte, pour nous, c'est le corpus avec lequel nous travaillons, le corpus soudanais. D'accord En Bambala, ce sont des homophones. On dit sous pour signifier cadavre, défunt, ancêtre et sous pour signifier la nuit, le soir. Je vais quand même prendre une chance et je vais vous poser la question en espérant que vous allez répondre. Parce que je, je vous sens très attentiste. J'espère que vous aurez la facilité de m'apporter quelques éclairages. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi en Bambara existe une homophonie Quel est le rapport entre le cadavre, le dessin, l'ancêtre et la nuit Le soir. S'il vous plaît. Juste faire quelques lignes, quelques réponses me permettront d'avancer. S'il vous plaît. Merci. Alors, je reprends ma question. En fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on m'explique quel peut être le lien entre le cadavre et la nuit. Parce que ce sont des homophones. Ça veut dire que, évidemment, il y a un sens qui lie ces deux notions. Comme je l'ai rappelé, on ne parle pas, on ne dit pas les choses en vain. Cela n'existe pas. Donc, il faut savoir pouvoir comprendre cela. Alors, Aboubacar nous dit parce que la nuit est le repos, la mort est le repos la nuit représente la mort. oui, c'est une réponse qui peut être acceptable. Je peux, je peux le comprendre. donc, ça va me servir. Euh, on, va, on va se servir de ces réponses, en fait, pour avancer. ce que vous devez savoir, c'est ce qui est fondamental. c'est que, d'ailleurs, en français, c'est le cas, on peut le dire aussi, sciences, ça se comprend. mourir, c'est s'éteindre. c'est la relation avec la nuit. entre le cadavre et la nuit, cette relation est Lié simplement à l'observation de la nature. Voilà pourquoi les Bambara font ce lien. Mourir, c'est s'éteindre. Ensuite, je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'éteint, c'est quoi. Mais pour l'instant, je pose ceci comme principe fondamental. Mourir, c'est s'éteindre. Naître, c'est s'allumer. Observez la nature, observez le soleil. Quand le soleil se couche, il fait nuit. Quand le soleil se lève, il fait jour. La différence entre la nuit et le jour, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans la nuit, nuit était évidemment la lumière du soleil qui éclaire la lune, vous serez dans l'obscurité totale. Vous ne verrez rien. Quoique vous ayez les yeux ouverts, vous ne verrez rien. C'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune apparition aucune manifestation, ok C'est la lumière qui, lorsqu'elle éclaire le monde dans lequel on vit, permet aux choses de se dévoiler. C'est-à-dire, c'est la lumière qui permet de découvrir l'environnement dans lequel on vit. Ce n'est qu'un aspect. Je parle de la lumière parce que la lumière c'est le premier élément à la suite duquel se déclinent tous les autres en réalité. Vous allez comprendre. Mais pour l'instant, je dis ça de cette façon pour que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle un peu facilement un Dieu. Parce que c'est ça la notion fondamentale qui se cache derrière cela. Car le cadavre est l'objet conceptuel à partir duquel émane la lumière. Voilà pourquoi c'est la forme perpétuelle d'Osiris. Voilà pourquoi c'est la forme perpétuelle bon, du Dieu que l'égyptologue appelle Min, qu'on appelle Amma ou Imana, si vous voulez. Dépendamment des noms qu'on peut lui donner, mais sachez que fondamentalement, c'est de cela qu'il s'agit. Okay? Donc, je reprends ceci car c'est important de le comprendre. Mourir, c'est s'éteindre. Qu'est-ce qui s'éteint Quand on dit que c'est s'éteindre, là, qu'est-ce qui s'éteint C'est l'âme qui se retire. L'âme est associée à la lumière. L'âme est associée à la lumière qui est elle-même liée au mouvement, parce que la lumière c'est la vibration. Hein, la, enfin, on peut le dire assez aisément, la lumière n'est qu'une vibration qui s'accélère. C'est lorsque la vibration s'accélère qu'elle devient lumière. Hein? Ça c'est des, des choses qu'on peut appréhender assez aisément, d'accord Donc mourir c'est s'éteindre, c'est-à-dire la mort c'est le retrait de la lumière. Voilà pourquoi les Bambara font une relation entre la nuit et le cadavre. Est-ce que ce que je dis est clair, s'il vous plaît Merci. ok parfait, bah, apparemment les choses sont claires en fait si je, si je vous relance à chaque fois c'est parce que j'aime parler pour être compris le tel exercice parfois peut être euh, compliqué, je le sais c'est la raison pour laquelle je prends à chaque fois la peine de vous relancer parce que ça donne rien éventuellement de, de parler sans être compris évidemment, d'accord, donc je prends la peine à chaque fois de vous relancer parce que je veux m'assurer que je suis compris sinon ça ne me sert à rien en fait hein? c'est pour cette raison, d'accord tant qu'à parler autant parler pour être compris donc ce que je suis en train de dire, c'est mourir, c'est s'éteindre. Quand on dit s'éteindre, ce qui s'éteint, c'est l'âme qui, en fait, j'allais dire, se dérobe. Parce que, je vais vous expliquer la chose. Vous, devez, vous pouvez aussi adopter le point de vue même du défunt, du cadavre. Parce que Dieu se manifeste à travers des actes que nous posons. Et ces actes ne sont posés qu'à la condition du mouvement. C'est-à-dire, quand nous sommes dans le monde, nous sommes en mouvement. Et nous avons une flamme intérieure que nous appelons l'âme. C'est la lumière. Ce n'est autre que la lumière, qui est la, la, la vibration dans son principe premier, d'une certaine façon. Parce qu'après, dépendamment de, du niveau de vibration, elle change d'apparence. La matière change aussi. Mais à la base, c'est la lumière. Voilà pourquoi on dit que la lumière soit à la base. C'est ça. Hein, pour ceux qui ont euh, des référents euh, abrahamiques, ils sauront peut-être mieux de quoi je parle. Enfin, ils pourront faire quelques liens. Parce que c'est de là que ça, ça vient. Mais la base, c'est le cadavre. Voilà pourquoi Dieu est associé au cadavre, c'est-à-dire aux iris ou à ma, si vous voulez. D'accord Parce que le cadavre, c'est l'état de vibration le plus, le plus bas. C'est quand il augmente en vibration qu'il s'anime d'une certaine façon. Je le dis comme ça c'est un phénomène qu'on observe même avec le fœtus. Au départ, il est inerte. Après, il va ça. Et après, il commence, il s'anime. Et c'est un miracle en réalité, parce qu'on ne sait pas d'où vient l'ordre qui dit au cœur de l'enfant qui est dans le ventre de sa maman qu'il faut qu'il commence à battre à ce moment-là. C'est un ordre divin. Mais ce qui fait ça, c'est la lumière. Hein? Dans, dans l'idée que la, la lumière, c'est la manifestation de la vibration. D'accord? C'est pour ça que qu'Osiris, c'est une momie. OK? Bon. Et en, la momie se dit qui c'est en, en copte ou okay, qui c'est en copte. Quand qui c'est signifie, je l'ai souvent rappelé dans les langues soudanaises, en bambara, malinqué, qui c'est bien sûr c'est le grain, mais c'est aussi qui c'est signifie également actif. Ce qui est actif. D'accord? Donc on parle ici des éléments qui se rapportent naturellement à la vibration. Donc c'est important quand même de comprendre tout cela. Donc mourir, c'est s'éteindre. naître, naître c'est l'inverse, c'est s'allumer. D'accord? Donc quand vous venez au monde, vous venez à la lumière. Parce qu'on vous voit. Mais. Qu'est-ce que c'est que la vue La vue, c'est la conjonction entre votre lumière intérieure et la lumière de l'extérieur. C'est parce que le soleil éclaire un objet que votre lumière qui sort par les yeux éclaire également, que vous voyez. Mais il suffit qu'il y ait une des deux qui soit absente pour qu'il y ait des connexions. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les yeux ouverts dans l'obscurité, vous ne verrez rien, parce qu'il n'y a pas de lumière extérieure. Mais il y a d'autres façons d'appréhender l'obscurité. Parce que la lumière intérieure a, 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 a d'autres manières, évidemment, de, 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 de se manifester. D'accord? Vous pouvez être dans l'obscurité, mais percevoir les formes. C'est possible. Ce n'est qu'une question de méditation, de vibration. Ce sont des choses qui, qui sont enseignées dans le cadre des, des, des écoles initiatiques. Hein. Dans le cadre de l'initiation, c'est ce qu'on fait. D'accord? Bon, Mais je vous donne simplement ici quelques clés pour comprendre le lien. Pourquoi l'image a comme déterminatif? C'est-à-dire les anges, parce que je vous ai dit que les anges, en fait, c'est quoi Ce sont des êtres de lumière, entre guillemets. Ce sont des formules que je n'aime pas trop, mais c'est pour me faire comprendre assez rapidement en disant. D'accord Donc, c'est cela. Donc, des manifestations, des apparitions, hein, de ce qui est caché. C'est de cela qu'il s'agit. De ce qui se dérobe. Ce qui se dérobe, c'est ce qui est dans l'obscurité. C'est le domaine d'Osiris. Voilà pourquoi Osiris, elle. Est généralement associée évidemment à l'initiation, quelle même est liée à la nuit, vous le savez, pour ceux qui ont quelques euh, notions de, de, de la culture, de la tradition kémite, vous savez que c'est la nuit que la, les choses in, intéressantes se passent. C'est pour ces motifs-là. Ok. Bon, je pense qu'on a pu me dire que la chose était claire, donc je ne vais pas insister davantage. Donc, la lumière est évidemment liée au dévoilement, c'est ce qui est caché qui se dévoile, c'est-à-dire. La lumière, lorsqu'elle se manifeste, n'est que l'expression vibratoire, en quelque sorte, de quelque chose qui est caché. Hein? Est ça, est, ce sont des, des règles qui, qui fondent en fait la spiritualité des peuples équémites. Et, qui et euh, bon, c'est des choses que vous pourrez souvent. Euh, c'est un discours que vous allez souvent entendre, parce que ce sont son, son là quelques fondamentaux qui permettent d'appréhender. Euh, dans, dans la perspective d'appréhender enfin, ce qu'on appelle en fait un Dieu. Vous allez comprendre. Parce qu'en fait, quand on dit Dieu, on utilise un langage un peu dévoyé. Parce que ce que vous appelez Dieu en français, ce n'est pas Dieu. Ça, je le dis parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre la chose. Parce que il y a des étapes. OK? Ce que nous appelons Dieu est déjà dans la manifestation. Hein? Vous allez le comprendre. Sauf que Puisque nous parlons français, il n'y a qu'un seul mot pour nommer beaucoup de choses qui ne sont pas les mêmes, en fait. Dans les langues subsahariennes, les mots sont différents. Mais en fait, de toute façon, vous allez comprendre quand je vais arriver à des, à des choses beaucoup plus concrètes. Mais pour l'instant, vous devez savoir que ce que nous appelons Dieu, souvent mis au pluriel, est dans la description de ce qu'en français on appelle les anges. D'accord C'est ça. Quand on dit les dieux, c'est ça. Certains diront les netérous, si vous voulez. C'est ça. D'accord? Mais au-dessus, il y a une force hein? de laquelle émanent ces manifestations. Et ces manifestations sont toujours du domaine de la lumière. C'est d'abord la lumière, avant toute autre chose. Parce que c'est la lumière qui. La première manifestation du divin, c'est la lumière. Hein? Donc, d'où. Euh, euh, la relation qu'on peut faire avec l'être humain lui-même, quand il est dans le monde et qu'il agit, il a une âme. Cette âme, le principe fondamental de l'âme, c'est le mouvement. Donc il agit, il peut toucher, il peut aimer, il peut voir, etc. C'est etc. lorsque cette énergie, hein, cette lumière se retire, c'est-à-dire se, euh, se dérobe, qu'on dit qu'on est mort. D'accord C'est ça. C'est ça l'idée fondamentale. Mais la base, bien sûr, c'est la vibration, c'est des choses. Euh, Bon, ok, si la chose est claire. Alors maintenant, vous avez ce qu'on appelle, bon, je, je l'appelle un peu facilement, les outils du connaissement. C'est-à-dire ce qui permet, en fait, de savoir qu'on a une âme par les manifestations dans l'être humain. C'est ce qu'on appelle les cinq sens. Vous avez le toucher, vous avez la vue, vous avez le nez, vous avez le, le, le goûter, le goût. Hein? Et bien sûr, vous avez lui, c'est-à-dire l'oreille, lui. Qu'on associe généralement au cerveau, mais c'est une, une faute. En réalité, il faudrait l'associer au cœur. C'est pour ça que j'ai mis le cœur ici, parce que c'est le cœur qui vibre. Le cerveau ne vibre pas. Je le dis aussi parce que l'intelligence est dans le cœur. Parce que souvent, on associe les cinq sens au cerveau. Non. C'est un mauvais paradigme. Ça ne mène à rien. C'est un cul de sac. C'est le cœur. C'est le cœur qui vibre. C'est le réceptacle de la vibration, c'est le cœur. Donc c'est du cœur qui émane la lumière puisqu'il vibre. D'accord Et sachez que le toucher, l'ouïe, le goût, l'odorat, et bien, bien évidemment la vue, sont absolument liés à la lumière. Voilà pourquoi on résume Osiris en dessinant un œil. D'accord Ce ne sont que des déclinaisons de la lumière. Sans lumière, le toucher n'est pas possible, lui n'est pas possible. Je le dis parce que... Euh, je sais qu'il peut y avoir quelques complexités à comprendre exactement ce que je suis en train de dire, mais ce n'est pas grave. Vous pourrez revenir là-dessus ultérieurement. On aura peut-être encore l'occasion, je pense, d'y revenir, mais puisque je ne souhaite pas aller dans quelques détails, je veux simplement le dire de cette façon pour que vous sachiez que il y a quelques nuances à apporter ici pour bien comprendre de quoi nous sommes en train de parler. OK? Bon. Et s'éteindre, c'est évidemment... Le retrait de l'énergie, de la lumière, des éléments qui, eux, sont concrets. C'est-à-dire, euh, quand on est soi-disant mort, on ne peut plus toucher, on ne voit plus, on n'entend plus, on ne peut plus goûter, on ne peut plus sentir. Évidemment, le cœur ne bat plus, donc il n'y a plus de vibration. C'est ça qu'on appelle la mort, c'est ça qu'on appelle la nuit. C'est pour ça que la nuit, généralement, on est censé dormir. Hein, parce que la mort, on dit en Afrique, la mort, c'est le petit frère, enfin, la, le sommeil, c'est le petit frère de la mort. C'est ce qu'on dit même dans les traditions. D'accord parce que la, le sommeil ressemble à la mort par certains aspects. Ok Et bon, c'est encore quelque chose, mais je vous laisse simplement statuer dans l'esprit des uns et des autres. C'est une chose simple, parce que je, je me limiterais à, à l'énoncer au, au sein des langues. Quand on dit sou pour dire la nuit et sou pour s'initier le cadavre, la relation c'est que mourir c'est s'éteindre, naître naître c'est s'allumer. C'est exactement de cela qu'il s'agit exactement de cela qu'il s'agit, d'accord Un enfant qui naît, c'est toujours un soleil. C'est ça, c'est exactement de cela qu'il s'agit. OK Bon, je vais maintenant citer euh, Alexis Kagame, qui était un prêtre euh, qui a exercé dans les années 70, en 70, 1976, il a publié un ouvrage, « La philosophie bantou comparée », dans lequel il dit quelque chose d'intéressant qui va nous permettre, en fait, de comprendre pourquoi l'œil est le réceptacle de la lumière et de tous les sens, en fait. Pourquoi, quand on dessine l'œil, on n'a plus besoin de représenter l'odorat, on n'a plus besoin de représenter lui, parce que tout ça se rejoint en réalité. Et il le dit clairement en se servant, de ce point de vue évidemment, des perspectives des langues dites bantoues. Voici ce qu'il écrit Quant à l'homme, qu'il ferme momentanément les yeux dans une profonde réflexion, ou même qu'il soit aveugle en cet état où la vue physique est empêchée, il dira Je vois, je vois, c'est vrai ce que vous racontez. Donc je reprends. Quant à l'homme qui ferme momentanément les yeux dans une profonde réflexion, ou même qu'il soit aveugle en cet état où la vue physique est empêchée, il dira, je vois, je vois, c'est vrai ce que vous racontez. La même perception aura lieu lorsque vous commencez à lui raconter une histoire. Je vois où vous voulez en venir. Il est évident que cette expression ne vise pas l'objet visible à l'œil, organe, organe matériel de la vue. C'est ce que Van Avermaet et Mbouya nous disent par un dicton de leur zone. Ils parlent ici de la zone des Baluba au Congo. Les, les Baluba ont une formule qu'ils utilisent pour rendre compte de cette idée dans la pensée philosophique des peuples kémites. Tu vois les yeux par lesquels nous nous voyons actuellement, mais tu ne vois pas ceux qui sont à l'intérieur. Pourquoi Parce qu'il y a une lumière en chaque être humain. C'est cette lumière qu'on appelle, qui est le vecteur de la connaissance de la sagesse. Hein? C'est important ce que je dis, euh, même si euh, ça paraît comme une évidence. Mais vous devez savoir que si nous voyons les objets autour de nous, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, il y a une lumière qui sort par les yeux. D'accord Ça, c'est important. Bon. Et ce dicton, euh, euh, Baluba, qui est donc en Chiluba ou en Kiluba, se décline comme suit. Tu vois les yeux par lesquels nous nous voyons actuellement, mais tu ne vois pas ceux qui sont à l'intérieur. Ceci s'explique naturellement, le sens de la vue est un instrument de connaissance. En fait, lui dit un instrument, je dirais l'instrument par essence même de la connaissance parce que on accède à la connaissance par le toucher puisqu'on peut toucher quelque chose sans le voir et connaître la chose. On accède à la connaissance par l'odorat, on peut sentir une chose et connaître la chose sans la voir. On accède à la connaissance par lui, c'est-à-dire on peut entendre quelque chose et connaître la chose sans la voir. On accède à la connaissance par le goût, c'est-à-dire on peut goûter quelque chose sans la connaître, sans la voir et la connaître. Et bien évidemment, on accède à la connaissance par la vue. Ça, c'est le plus évident. Mais la vue résume tout ceci. Et ces sens, évidemment, sont liés à Osiris. Il y en a cinq. Il y en a. Enfin. Euh, euh, il y en a cinq qui sont euh, j'allais dire évidents euh, partagés par le commun des mortels dire de cette façon mais en réalité tout est aussi fonction du niveau de vibration la question de la méditation parce qu'on peut accéder à la connaissance euh, il y a d'autres il y, y d'autres je dirais de cette façon il y a d'autres sens entre guillemets il n'y a pas que ceci évidemment mais là cela suppose d'engager Disons des éléments qui, qui ne sont pas appréciables pour, pour le commun des, des, des mortels. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, il disent ceci et. Euh, enfin, euh, Alexis Kagame poursuit en disant ceci. Ce sont les opérations multiples de ce centre intérieur. Écoutez bien, hein, il parle ici de la vue, de, de, de la lumière interne, de l'œil interne qui est en chacun d'entre nous, qui est en fait le vecteur, si vous voulez, de la connaissance, de la sagesse, qui est la vérité, qui, qui, est, la, qui, qui est en fait. Euh, qui se cristallise, on peut le dire, euh, autour de la notion de la lumière, d'une certaine façon. Ce sont les opérations multiples de ce centre intérieur de vision que nous décrivent Van Avermaet et Mbuya en Kilouba shaba cest c'est-à-dire chez les Baluba, au Congo, au verbe Kumona. Alors, qu'on traduit un peu facilement par « voir ». Mais que signifie en fait Kumona, sachant que, évidemment, « kou, c'est un préfixe de classe, le mot c'est « mona » pour signifier « quoi ».« Voir » Apercevoir, entrevoir, remarquer, percevoir, sentir, ressentir, éprouver une sensation, un sentiment, subir dans le corps ou le cœur quelque chose de désagréable, contenant parfois la menace d'un malheur, saisir, comprendre, se rendre compte d'eux, sembler, paraître. Donc vous voyez que le champ sémantique est relativement vaste quand on parle simplement de la vision. Okay? Ce n'est pas seulement le verbe voir au sens où on l'entend en français c'est encore autre chose. Apercevoir, entrevoir, remarquer, percevoir, sentir, ressentir, éprouver une sensation, un sentiment, subir dans le corps ou le cœur quelque chose de désagréable, contenant parfois la menace d'un malheur, saisir, comprendre, se rendre compte d'eux, sembler paraître. Tobias et Turvé, de leur côté, traduisent ainsi le verbe kumona, toujours en chilouba, voir, en nyama, percevoir, visuellement ou mentalement. Savoir, se rendre compte d'eux. Le White Fathers Dictionary en dit autant, en, euh, en dit autant du Kibemba. Omo kumona, voir, percevoir, savoir, trouver. On dira par exemple, Nga fwaka, de je donc du tabac? Shimona mutende, je ne vois pas la santé. C'est-à-dire, si on veut traduire en français, je n'ai pas bonne santé. Mais vous verrez que quand on dit la chose dans les langues subsahariennes, on va dire, je ne vois pas la santé, d'accord. Dans mon nchiku, je vois l'affliction, c'est-à-dire, je suis dans l'affliction, c'est-à-dire, je suis dans le malheur. Ok Pourtant, ce sont des notions abstraites. Mais c'est parce que nous sommes ici dans la perception. Et on utilise l'œil comme moteur de la perception parce que, en fait, l'œil est un peu le réceptacle de la connaissance, d'une certaine façon. Donc, pour le kikongo », poursuit euh, Alexis Kagame. L'AMAN traduit ainsi les nuances du verbe Kumona. Voir, regarder, saisir, comprendre, admettre, éprouver, sentir le froid, le chaud, etc. Apprendre, entendre, dire, témoigner, etc. Enfin, il conclut, il n'en va pas autrement à la côte ori orientale où Sakle nous explique le verbe Kouona. La, la racine, c'est Ona, pour dire voir au sein des langues dites bantou. Voilà pourquoi on va dire kumona ou kuona, c'est la même chose en swahili, c'est ona pour signifier voir. Donc, il n'en va pas autrement à la côte orientale où Sacle nous explique le verbe kuona, voir, apercevoir, trouver, éprouver une sensation, ressentir, sentir, comprendre, entendre quelque chose. Entendre quelque chose à une affaire. Avoir au sens d'éprouver, avoir la considération pour, on dirait par exemple, naona madie baridi sana, c'est-à-dire, je vois que cette eau est trop froide. Pourtant, c'est un, un ressenti. On dit Naona Mambo Sana. Je vois que ces choses sont très mauvaises. Vous voyez? Donc, ceci simplement pour rappeler, évidemment, que euh, l'œil auquel se rattache la figure d'Osiris est dans la description, en fait, euh, évidemment, des éléments qui nous permettent. Euh, une certaine appréciation de ce qu'on appelle la connaissance. Bon. Ceci est pour, pour moi, en fait, l'occasion de rappeler que tout ce qui est image, portrait, silhouette, apparition, ombre, tout ce qui est image, portrait, silhouette, apparition, qui vous le savez maintenant, se rapporte à la description des simulacres d'Osiris, c'est-à-dire des figures qu'Isis a fabriquées et confiées aux différentes sociétés sacerdotales, sociétés initiatiques de l'Égypte antique, se déclinent dans les concepts de lumière, de révélation, de manifestation. Ne peut se révéler que ce qui est caché, ne peut se manifester que ce qui est caché, ne peut être en lumière que ce qui est préalablement dans l'obscurité. C'est bien important quand même de comprendre ce processus, car c'est ce processus qui, vous le verrez, explique ce que nos ancêtres appellent un Dieu, au sens commun du terme, parce qu'il faut bien comprendre que les dieux ont une... naissent de quelque chose, ils viennent de quelque part. Mais quand je dis les dieux, vous pouvez, si c'est plus, euh, plus, disons, aisé pour vous de le comprendre de toute façon, faire une association avec ce qu'on appelle plus généralement les anges, si vous voulez, hein, mais bon, euh, c'est si vous le souhaitez. Mais en clair, ces figurines-là sont autant de manifestations, autant, entre guillemets, de révélations, en fait, d'Osiris. C'est ce que c'est, en réalité. D'accord voilà pourquoi vous avez ce rapport qui s'établit ici. Quand on dit ciné pour signifier image, portrait, silhouette, apparition, cela ne se, dé, ne se détache pas de la, de la notion de lumière. Donc en réalité, nous sommes ici en train de décliner la notion de lumière, bien évidemment, mais évidemment aussi de révélation et surtout de manifestation. Donc ce sont les manifestations de ce qui est caché. On appelle imana si vous voulez, parce que c'est un peu c'est le sens que plus tard qui donne au oh nom de cette divinité que les, divinité que les, les, les égyptologues appellent Amon traduit généralement par le caché, qui est également représenté dans un suaire. Osiris porte le suaire pour ce motif-là. d'accord Il est caché, en fait, c'est ce, ce que de nombreux textes alchimiques racontent. Et quand ils parlent d'Osiris en tant que source de l'alchimie, c'est ce qu'ils disent, que le corps d'Osiris est caché dans un, dans un suaire. On ne voit que son visage, etc. Enfin, il y a tout un discours général sur ces questions, qu'ici je ne fais que... Ici, je ne fais que survoler, en quelque sorte. Mais ce que vous devez retenir, c'est que toutes ces notions, ombre, silhouette, portrait, apparition, sont simplement dans la description des manifestations, c'est-à-dire de la lumière. Okay? Ce sont des manifestations. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, lorsqu'on parle des anges, pour ne citer que ces exemples, bien sûr, c'est toujours en association avec la lumière. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'une idole Parce qu'en réalité, jusqu'ici, j'ai manqué d'utiliser ce terme, parce que je ne voulais pas fausser votre compréhension, parce qu'on est souvent impressionné par les mots quand ils sont en français, mais vous allez comprendre qu'on parle toujours de la même chose. Le mot grec, enfin le mot idole vient du grec "idolon" qui signifie simulacre, fantôme, image, portrait, image conçue dans l'esprit, imagination. C'est un, un diminutif en grec de "idos" qui signifie forme. D'accord Donc je reprends. Le mot idole. Bien sûr, vient du latin idolum. Le latin lui-même procède du grec idolon, qui signifie simulacre, fantôme, image, portrait, spectre, si vous voulez, apparition, image conçue dans l'esprit, imagination. C'est important parce que vous allez voir qu'en arrière se niche la notion de divinité, rattachée maintenant aux objets cultuels, aux objets concrets, c'est-à-dire aux réceptacles. Euh, aux objets forts, ce qu'on appelle des fétiches en français. C'est pour, pour cette raison qu'il est parfaitement, au moins absurde, je, je me limiterai à cette euh, définition, à cette, à cette orientation, parce que je ne veux pas être, je, pas, je, ne, je ne souhaite accabler personne, il est au moins absurde d'avoir dans son univers culturel des représentations qui ne naissent pas de notre imagination. Hein? Parce que... Ce processus est fondamentalement divin. Le processus, l'émanation des divinités auxquelles nous voulons un culte, ce processus-là est éminemment divin. D'accord Donc ce n'est pas le lieu où on, on doit observer quelques fantaisies. Sinon, évidemment. Cela conduit un peu à ce qu'on observe aujourd'hui. Hein. Comme j'ai dit, je ne souhaite accabler personne, mais vous comprendrez qu'en arrière, bien sûr, se tiennent les notions d'aliénation, toutes ces choses qu'on dit souvent un peu rapidement. Bon, J'estime je, je, que c'est un peu le fait de l'histoire qui nous conduit par ces couloirs, mais nous sommes maintenant en mesure de comprendre et de rectifier. C'est l'intérêt de, de, du travail que nous conduisons dans, dans, dans ce domaine maintenant. Il n'est plus question de, 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 de critiquer simplement... Mais de dire en fait comment les choses sont, ou si, si ce n'est comment elles sont, comment elles doivent être en réalité, avec des mots simples que chacun est capable de comprendre. OK Bon. Donc les mots sont, sont, sont ce qu'ils sont, d'accord Et voici ce qu'on appelle une idole, si vous voulez une icône, parce que parfois on remplace le mot par icône, mais c'est encore la même chose. Euh, c'est de cela qu'il s'agit. En Égypte pharaonique, vous avez donc la Vierge à l'Enfant, c'est-à-dire Isis et l'Enfant Horus qui devient la Vierge Marie dans le christianisme. Sauf qu'on ne fait pas toujours le lien ailleurs. On dira que c'est de, 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 de l'idolâtrie quand le même phénomène s'observe dans les religions dites révélées, mais on ne parle plus à ce moment-là d'idolâtrie simplement parce qu'on veut disqualifier une pratique, une tradition, et on veut absolument gagner les âmes un peu ignorantes à une forme de pratique qui en fait est aliénante en réalité, puisque la ressemblance est fondamentale dans ce registre-là. La ressemblance. On ne peut pas avoir une divinité qui ne nous ressemble pas. Ça n'a aucun sens. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Il faut bien le comprendre. Ce que je dis là, c'est une vérité fondamentale. C'est éternel, c'est fondamental. Ça ne changera jamais. Il faut simplement corriger. Il ne faut pas essayer de s'arranger. Il faut quitter et corriger. C'est fondamental. Parce qu'on ne peut pas s'arranger dans ça simplement dire que ah, je, je me suis trompé jusqu'ici maintenant je vais changer ça je ne veux plus faire ce que je faisais hier je vais commencer une nouvelle pratique à partir d'aujourd'hui parce que ce que je vous dis là c'est fondamental je ne veux pas être grave parce que les conséquences même du point de vue même de la de, 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 comment dire l'assainissement entre guillemets de, de l'âme de, de, sont radicales les conséquences sont radicales Voyez donc mais nous sommes ici entre adultes et intelligents, donc pas besoin d'aller dans, de, dans des détails. OK? Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, ne soyez pas impressionnés par les mots, hein, l'idolâtrie, toutes les choses. Tout ça, il n'y a pas de pratique culturelle sans support. Ça n'existe pas. Parce que les supports, là, c'est ce qu'on appelle les dieux au sens littéral. Pour nos ancêtres, c'est ça. Mais ce n'est pas Imana, c'est un peu différent. Quoi que, il sache être représenté, puisqu'il y a des, des statuts d'imana, il est le netheru des nekéros, le nether des si vous voulez, mais en fait, il est quand même le père. On dit quand même dans les textes qu'il est le père des dieux. Il est le père des dieux. Donc, ils n'ont pas le même statut. Ils ne sont pas au même niveau. Hein, ça, c'est important de le comprendre. Je le dis parce que vous devez savoir ce que c'est. Ce que sont que ces supports qui sont toujours attachés à une communauté. Parce que le, le kisi d'une communauté, d'un peuple, c'est le qui de ce peuple-là. Il n'ira pas donner ça et d'autres ne, ne viendront pas là. Donc, la pratique, le fétiche d'un village, c'est le fétiche de ce village-là. Hein? D'autres ne viendront pas là. Faire euh, non. Pourtant, avec euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les religions abrahamiques, c'est un peu euh, le fétiche d'une de, de, de de, communauté singulière et bien déterminée que tout le monde euh, vers lequel tout le monde s'oriente. Quand ça reste quand même un fétiche à la base qui a été conçu pour une communauté bien déterminée, puisqu'on euh, par l'histoire c'est facile de remonter les choses. Comprenez? Donc de ce point de vue-là, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'universalité. L'universalité ne se conçoit pas. Par la, euh, la brimade, en quelque sorte, si vous, si, si vous l'entendez, euh, de la diversité. Ce n'est pas ça du tout. C'est une mauvaise façon de concevoir les choses. Dieu est unique, c'est vrai. Mais il a des manifestations. Et ce sont ces manifestations qu'on observe dans la diversité qui nous est donnée d'observer, dans la lumière. Hein? Vous observez Vous comprenez ce que je veux dire. En fait, euh, c'est ce qu'il faut comprendre. OK ça, ce n'est qu'un exemple, Et bien sûr, la Vierge à l'Enfant. C'est parce que c'est facile, c'est courant, mais on aurait pu étendre des choses à autre chose, mais c'est simple. Maintenant, en Égyptien, Pharaonique, vous avez donc quelque chose d'intéressant qui va confirmer, en fait, ce que je dis depuis tout à l'heure. Je suis passé par des bouts. J'ai expliqué, en réalité, que les, les, les simulacres d'Osiris, c'est-à-dire les idoles d'Osiris, pour dire les choses, même si on parle français, j'espère maintenant que vous comprenez ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les représentations d'Osiris, les simulacres d'Osiris ont un nom, et ce nom a des correspondances au sein des langues subsahariennes. D'accord Je vous ai expliqué depuis tout à l'heure qu'en fait, c'est ce qu'on appelle les netheros, sans réellement aller à la démonstration de cela. C'est ce que je veux faire maintenant. En égyptien pharaonique, bien sûr, le mot netheros, c'est une convention en égyptologie, mais il y a des graphiques qui rendent compte de cette réalité-là. Et une manière de dire ce que l'égyptologue appelle les netheros pour dire ensuite les dieux. Comme quoi les Égyptiens sont des polythéistes, ensuite, hein, c'est un peu la conclusion logique à chaque fois que, à laquelle on, on, on assiste. Il existe ces graphies-ci, qui sont un peu particulières, mais courantes aussi, hein, où le script dessine trois étoiles, trois étant le thème de la multitude, hein, vous le savez, un égyptien pharaonique, hein, trois signifie le dénombrement, enfin, la multitude. OK Il dessine trois étoiles pour signifier les dieux. Sachez que l'étoile, c'est la lumière, bien sûr. J'espère que vous comprenez, ce, vous saisissez ce lien. L'étoile, c'est le signe aussi. J'en ai parlé la dernière fois, euh, abondamment. Ceux qui n'ont pas pu suivre cette communication, je vous renvoie à cette communication. C'est une communication qui a été faite, je crois, il y a une semaine, où j'abordais la question de l'origine de, de la philosophie. Hein, et j'abordais la question des étoiles de ce point de vue-là. Donc, ça va permettre, en fait, d'éclairer, dans un sens, ce que je dis maintenant. C'est à y a quelques éléments sur lesquels je ne vais pas revenir aujourd'hui. Voilà. Donc, pour signifier les Néchérous, Sachez que le scribe dessine des étoiles. C'est ce que vous avez ici à gauche. Mais vous savez que les étoiles, ce sont des éclats, c'est-à-dire les morceaux du héros culturel. Ça veut dire que les là, comme vous le voyez ici, naissent de l'explosion, c'est-à-dire du démembrement du corps du héros culturel. Démembrement du corps du héros culturel dont les morceaux, en, en, en finalité, servent à bâtir les temples. C'est-à-dire là où on trouve un morceau, on décide de bâtir un temple. C'est pour ça qu'on peut dire que le fétiche... D'un village n'est pas le fétiche de tel autre village. Et tout le monde est en paix avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on est politiste ou quoi que ce soit. On sait que la source est unique. Nous avons la même culture, la même tradition, la même, le même paradigme, les mêmes pratiques. Mais il y a parfois émulation. Émulation. Il y a même parfois la guerre. C'est-à-dire que des communautés peuvent se faire la guerre. Si vous, avez, si vous êtes tous, tous dans la même religion, vous allez prier la, la même chose. Comment ce, ce Dieu va trancher Je donne un exemple concret. Si deux pays, on va dire chrétiens, se font la guerre, ils vont tous les deux prier Jésus. Comment Jésus, lui, il va trancher Il va faire comment C'est une grande question. C'est sûr qu'il va trancher en faveur de ceux qui sont le plus proches de sa création. Parce que vous allez comprendre qu'en fait, les dieux naissent et ils meurent aussi. Ça aussi, je le dis parce que ce qu'on appelle les dieux, hein, parce qu'il y a l'éternité qui est au-delà. Les dieux naissent de l'éternité. Hein, par un surgissement hein, à travers les, le concept de, de lumière. C'est-à-dire la vibration qui s'accélère, qui devient la lumière. C'est comme ça que les dieux naissent. Mais ils peuvent aussi mourir, puisqu'ils naissent. C'est-à-dire qu'ils peuvent mourir. D'accord Ça aussi, euh, c'est important de le comprendre. Voilà pourquoi il y a des fétiches entre guillemets qui sont plus puissants que d'autres et qui anéantissent d'autres. C'est ça aussi. Et ceci est, est lié bon, à un ensemble d'éléments qui, 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 qui ne sont pas simplement du fait de, 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 des humains sur Terre. Hein. Il y a aussi... Euh, euh, comment dire, la, la, la course des astres pour eux-mêmes, c'est-à-dire le, 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 les perspectives universelles, c'est-à-dire tout ce qui se passe au-delà de cette petite terre dans laquelle nous habitons. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a plusieurs choses à considérer si on veut vraiment comprendre de quoi je suis en train de parler. Mais en gros, si vous comprenez ça, c'est déjà bien. Donc, en égyptien pharaonique, vous avez donc ces deux graphies en fait, qui s'écrivent avec l'étoile pour signifier les dieux. Et si je vous posais la question, je suis sûr que vous serez à mesure de répondre, de savoir pourquoi. J'ai déjà expliqué que dès l'instant où vous voyez la manifestation de la lumière, sachez qu'on parle ici des dieux. Parce que c'est comme ça que la chose est conçue. Il faut éclairer. Donc c'est aussi lié à l'intelligence, à la sagesse, bien sûr, à toutes ces choses qui se rapportent à la vue. Bon. Mais la chose est que cette graphique que vous avez ici, quand transitaire Netchirou, et qu'on dit les dieux, correspond bien sûr au copte Nouté. Ça, vous le savez. Pour signifier les dieux. Werner Vichil, dans son dictionnaire étymologique, dit que le copte Nouté correspond au cunéiforme moyen babylonien Nata ou nate, qui signifie Dieu. Il traduit comme ça Dieu. Et c'est le mot que le copte utilise pour dire Dieu dans la Bible. Je le rappelle, peut-être, pour que vous sachiez qu'on parle bien du même mot hein, en français. Sauf que ce mot-là, qu'on traduit par Dieu, ce que les ancêtres sont en train d'écrire ici, on le comprend d'après les langues soudanaises. En Jamse, on dit naté, ça signifie image. Portrait, qui ne se détache pas de la notion de lumière. J'espère que vous comprenez. En Wallodogon, on dit nata. C'est ça qui est noué en copte, pour dire soi-disant Dieu. OK? Mais c'est l'image, le portrait. Donc, on, ça rejoint évidemment les, les, les simulacres d'Osiris. Okay? En ajamba, on dit naté, image, portrait. On dit naté, dessiné, tracé, c'est-à-dire les signes. On revient à la même réalité objective, puisque les signes. Tiou sont dans la description des étoiles en copte. L'étoile se dit Tiou, c'est le même mot. D'accord et de on dit nata, dessiné, tracé. En poulard, natu, on va dire natugol, c'est dessiné. D'accord Poulard, natal, pluriel naté, dessin, figure, portrait. Soninke, natali, c'est ça qui est neteru, le L. C'est ça qui devient R, parce que le L et le R, c'est la même lettre hein, qui mute, hein, je pense que vous le savez, sinon je, je le dis, pour signifier dessin. En bambara, natalie, pour signifier le dessin. De là, le latin emprunte, je vous expliquer comment, avec natus, pour signifier fils, nata, pour signifier fille, natalis, pour signifier relatif à la naissance, c'est-à-dire ce qui est manifesté. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout, je vous ai dit tout à l'heure que. Naître, c'est s'allumer. Voilà pourquoi les dieux naissent. Ils se manifestent à travers évidemment la, la vibration qu'on appelle la lumière, qui devient en fait la lumière. Ok Voilà pourquoi le latin fait ce transfert. Si vous, nous, si vous ne savez pas ça, quand on dit par exemple, euh, vous savez que le mot Noël en français vient de Natalis. C'est les manifestations de la lumière. Voilà pourquoi on, on, va, on, va, on va chercher un sapin. On va mettre des boules qui éclairent, on va mettre des lumières. Les Égyptiens anciens le faisaient déjà d'une certaine façon, parce que ce sont des textes sur lesquels on pourra revenir, puisque c'est des choses que j'ai décrites dans les ouvrages. Mais bon, puisque je n'ai pas pensé à parler de ça, mais ça me vient comme ça les choses, c'est pour que vous devez savoir que le mot de Noël vient de Natalis, la nativité. C'est la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Mais ça signifie image, portrait. Donc, on a peine l'attitude à partir de ce moment de fabriquer des simulacres. Mais il faut qu'ils soient du à la ressemblance du, du peuple qui, 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 qui souhaite engager par ce moyen des dévotions, puisque de, ce sont des, 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 des supports qui, 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 qui lient de manière je dire, essentielle le peuple par la langue qu'il parle, par ses pratiques, par ses, ses souhaits, ses dévotions. Et chaque, chaque, chaque image, chaque, chaque portrait a aussi euh, un domaine de souveraineté. Parce que c'est la même chose en Égypte pharaonique. Ce qu'on appelle les dieux, les Nichirus n'ont pas tous la même fonction, et je pense que vous le savez, mais ça ne veut pas dire que c'est plusieurs dieux. Ce sont les manifestations du divin qui lui restent cachées. Est ce que ce que je dis est clair, s'il vous plaît, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça me permettra non seulement de souffler, mais de valider que la chose est claire. Merci. Ok, parfait. Parfait, si c'est clair. Merci à ceux qui, qui répondent. Alors, il y a une question qui a été posée. Euh, Est-ce que la participation de l'idole, imagination, est liée au processus vital de l'inspiration? C'est fondamental. Puisque c'est ce qu'on appelle la culture un peu facile. C'est ce que vous verrez dans les musées aujourd'hui. C'est ce que vous allez voir dans les musées. C'est les projections, les images. Mais ce ne sont pas des objets morts. On ne fait pas ça. C est, c est, c est... Il faut y joindre la notion de vitalité. Pour qu'une divinité soit efficace, il faut la revitaliser. Sinon, ça devient simplement du bois, ça reste du bois, c'est fabriqué par, avec des objets concrets, mais qui proviennent bien évidemment de la nature. Et il y a aussi bon, évidemment une façon de fabriquer les choses, mais ce que je veux dire, c'est ce ça l'inspiration, c'est ce qu'on appelle l'art. Et l'art, c'est la première manifestation de ce qu'on appelle l'inspiration, bien sûr. C'est lié fondamentalement à la connaissance, à la sagesse. C'est-à-dire, les productions que nous avons sont liées à notre spiritualité. Ce que je dis, c'est fondamental, c'est-à-dire c'est une équation sûre. C'est vrai ce que je dis. C'est-à-dire c'est la vérité avec grand V. C'est toujours vrai et en tout temps. Nos, pro... Nos productions dans le monde sont liées à notre spiritualité. Hein? Raison pour laquelle la civilisation égyptienne, qui est la civilisation la plus brillante, la plus lumineuse que le monde ait jamais connue, peut nous servir de repère. Parce qu'en réalité, nous savons qu'ayant fait ceci, eh bien, on aura quand même vu les résultats que beaucoup de peuples aujourd'hui peuvent disputer parce que, évidemment, il y en a qui, qui, qui s'imaginent que c est, c est, c est, ça a quelque chose à voir avec l'Asie, je ne sais quoi, mais ça, on n'est on plus, on est plus à, à discuter cela. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est parce que la spiritualité des anciens Égyptiens a été dans le vrai, dans le véridique, dans le manifesté que, évidemment, les productions suivent. C'est parce que les peuples subsahariens sont aujourd'hui dans une forme d'égarement, je le dis évidemment avec tout le respect qui peut entourer de tels propos quand on parle des personnes intelligentes, mais que vous observez l'environnement. Le, ne serait-ce que l'urbanisme même de, 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 de nos villes, le désordre permanent, on ne peut pas bâtir une ville si on ne comprend pas le plan, le plan cruciforme. Aujourd'hui, on, on fait les, les, les rues n'importe comment, on construit n'importe où. L'énergie est saccadée. Ça, est, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est lié à la spiritualité mauvaise. Pardon de le dire, mais puisque il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont, eh c'est lié à cette spiritualité mal comprise ou mauvaise, empruntée, euh, qui, qui occupe l'espace. C'est ça, il n'y a pas d'autre façon. Je ne sais pas, c'est n'est pas sorcier entre guillemets, c'est-à-dire il ne faut pas s'imaginer des choses différentes. Tout, tout est d'abord pensé, pensé avec euh, grand P. Tout est d'abord pensé avant d'être manifesté. S'il n'y a pas la pensée, rien ne va se manifester. C'est clair, d'accord Ça, voilà, c'est évident. Donc euh, Évidemment, l'inspiration n'est qu'une manière de dire la même chose, mais c'est de cela qu'il s'agit. Hein? Voilà. Donc, ce que je veux que vous sachiez, de manière définitive ici, c'est que quand on dit « nous » en copte, soit des gens n'étaient, 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 comme on aime bien dire les dieux, les dieux, les dieux. Non, c'est l'image, le portrait, c'est tout. D'abord, c'est même la photo. Parce qu'en Wolof, c'est un thème qui se rapporte à la photographie. S'il y en a pas beaucoup qui parlent Wolof, ils sauront de quoi je parle. C'est ça. D'accord? Donc l'image, la représentation. C'est d'abord ça, c'est la base. C'est ça. Donc, on ne peut pas avoir une spiritualité avec des, des représentations qui ne, soient, qui ne soient pas à l'image même du peuple. C'est comme, c'est un problème. C'est même, c'est même c'est un problème. Voilà. OK. Donc, euh, je vais lire maintenant euh, un, un texte de Théophile O'benga qui est tiré de cet ouvrage que vous connaissez peut-être. Hein. L'Égypte, la Grèce et l'école d'Alexandrie. D'accord De Théophile O'benga Où il dit ceci et avec raison, il a tellement raison. Il a tellement raison. Il dit, bon, je, je cite Théophile Obenga, Théophile Obenga postule une équivalence entre le mot égyptien pour le signe, que j'ai abordé dans la précédente communication, faite il y a une semaine à peu près. Pour ceux qui n'étaient pas présents, eh bien, je vous renvoie à cette communication, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Théophile Obenga postule une équivalence entre le mot égyptien pour le signe, transitéré ti, c'est le bambara chi, n'oubliez hein. pas, j'en ai parlé la dernière fois, on peut dire chi ou ti ou qui. C'est la même chose. Donc, Théophile Benga postule une équivalence entre le mot égyptien pour le signe type, image, forme, signe et le nom de la statue transiterait toutes, idole, statue, image. C'est ce qu'il dit. Des mots qui, selon lui, tiendraient d'une même racine. Donc, Théophile Benga nous dit que en égyptien pharaonique le nom du signe d'écriture et le nom de la statue de l'image ou de l'idole ont la même racine. C'est ce qu'il dit. Théophile Menga dit ensuite que l'Égyptien Ti, qui signifie image, est à l'origine du grec théos, thios ou sios, qui signifie divinité, Dieu. Théos en grec, ça veut dire Dieu. Mais vous voyez que le vecteur, c'est l'image. Donc on reste dans la, la même vision, le même paradigme. Donc, n'entendez pas dire. Ailleurs, qu'il y a autre chose que dans la notion de Dieu que ce que je suis en train de vous dire là. C'est qu'on est en train de vous mener, de, de, de vous amener dans des, des, des lieux obscurs. Hein. Il faut chercher la lumière. Et la lumière se manifeste à travers la connaissance. Que bien modestement, ici, je tente de partager avec vous. Ce que je vous dis là, c'est ce qui est vrai. Parce qu'on a de, de Dieu une idée inconsistante. Voilà, je préfère le dire de cette façon. Donc Théophile Obenga dit ensuite que l'Égyptien ti Image est à l'origine du grec théos, divinité, Dieu. D'abord parce que ce mot n'a pas d'étymologie ni en grec ni à l'intérieur de l'indo-européen. Ça, quand même, il faut le noter. Donc, ce n'est pas un mot d'origine grec, ni indo-européen. Théophile Benga Théophilomé... écrit la chose suivante. Le mot théos est occitan, c'est-à-dire qu'il a l'accent aigu, l'accent tonique sur sa finale. Théos, théos. Mycénien... En mycénien, on dit théo, théo. Évidemment, la finale, os change si le mot se décline. Le radical est donc bien T, T ou T, qui est le nom du signe en Bambara, je le rappelle. Le Teta et le Tao et le To, pardon. Le Teta et le To, c'est-à-dire th et T, apparaissent aussi en égyptien ti, T, Toi ou Toi, qui est le nom que les Dogons donnent au signe. Je le rappelle. Au plan phonétique, donc, T et T Correspondent comme toi et théo. Chronologiquement, le mot égyptien est antérieur. En effet, la 18e dynastie se situe entre 1580 et 1350 avant notre ère. Encore que le mot tot ou tout c'est-à-dire image, idole, etc., se rencontre à l'ancien empire, c'est-à-dire la racine même du mot égyptien. Au cours du 15e siècle avant euh, notre ère, l'Égypte. Commerce avec les Crétois qui ont la forme Thios, Thios, égyptien, ti ou ti. Voilà ce que dit Théophilo Benga. Il poursuit Cette Égypte accueille les Mycéniens entre 1400 et 1340 avant notre ère, et le linéaire B est situé entre 1400 et 1200 avant notre ère, c'est-à-dire l'écriture, une écriture des, des, une écriture des, des Mycéniens. Okay. La forme mycénienne Théo, peut supposer antérieurement l'égyptien « ti » ou « tit ». Ainsi, le mot grec « théos », dieu, déesse, qui n'a pas d'étymologie connue, pourrait désormais en avoir une qui est égyptienne pharaonique. Et je poursuis en rappelant ceci, la forme laconienne, parce qu'il y a une forme laconienne grecque, parlée au sud-est du Péloponnèse, c'est « sios ». C'est une forme qui se rapproche davantage du grec « siou qui signifie étoile. Donc elle est toujours dans le même registre, dans la même, euh, la, même, euh, la même compréhension des choses en réalité. Donc ce qui est important ici, c'est de savoir que quand on dit théos, d'où le français par exemple théologie, c'est un mot qui procède des signes. Hein? Des, comme le rappelle ici Théophile Obenga, des mots pour les signes, des mots pour l'idole, pour l'image, pour le portrait. Hein? C'est ce que rappelle ici Théophile Obenga. Et il a raison de le dire parce que le paradigme est identique, c'est le même. J'ai utilisé plusieurs euh, portes pour parvenir au même résultat parce que je voulais consolider dans votre esprit cette chose fondamentale qu'on appelle Dieu, qui est dans la bouche de beaucoup de personnes, mais qui souvent est, est galvaudée. On ne sait pas de quoi on parle. Comprenez C'est ça, en fait. Bon. Voici donc la graphie en question évoquée par Théophile Obenga qui rappelle, je l'indique, que cette graphie a la même racine que le nom égyptien du signe, c'est-à-dire « ti ». Ici, c'est transitéré « tout », pour signifier « statue »,« image »,« effigie »,« figure ». C'est bien de savoir qu'il s'agit lorsqu'on représente comme ça, comme vous le voyez ici, euh, Osiris, bien entendu. Et ceci me, euh, affecte l'être humain au-delà de la sacralité, hein, de ce qui peut être considéré... Parce que je donne un exemple concret. N'imaginez pas que les dessins animés, les films, le cinéma, toutes ces choses qui possèdent par l'image... Sont exclus de cette compréhension. Ce serait une erreur fondamentale. Je le dis parce que ici, je parle évidemment du sacré, mais le profane est aussi concerné par les conclusions que je suis en train d'amener. Parce que tout ceci participe à l'édification d'un paradigme, d'une vision du monde, d'une façon d'être, les influences. D'accord Sauf que, évidemment, je crois que chacun peut le concevoir. C'est la raison pour laquelle moi, je n'insiste pas trop dans cette direction. Mais ceci procède évidemment des, 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 mêmes, des, mêmes, des mêmes bases. Euh, il faut bien le comprendre. Donc ici, vous avez une graphie qui signifie également statue, image, effigie, figure, qui s'inscrit aussi, on peut, le, on, 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 peut, on peut le dire, dans la description des, des simulacres, puisqu'il s'agit en réalité d'un mot qui signifie également image. Parce qu'en égyptien pharaonique, il y a évidemment plusieurs mots pour signifier la même chose, comme au sein d'un empire comme l'empire du Mali. Il y a le Sonenke, le Bambara, le wolof, etc., euh, le minyanka, etc., qui participent d'une seule et même culture, mais qui peuvent avoir des mots différents en apparence pour s'initier, pour désigner les, les mêmes choses. Voilà. C'est pour ça qu'en égyptien pharaonique, eh bien, on trouve aussi cette différence, puisque l'Égypte pharaonique, vous le savez, c'était une confédération. OK Bon. Donc, ce mot-ci a été questionné par Champollion. Et voici ce que Champollion dit. Champollion, qui, vous le savez, passe pour être. Euh, celui qui aura déchiffré hein, les caractères sacrés donc les, les hiéroglyphes, en fait. Bon. Déjà, ce mot a une correspondance en copte, donc c'est un pas sûr. On dit « toute » pour signifier statut, idole, en copte. « Toute hein, », c'est ce qui est écrit en copte. C'est la lecture effective de la graphie en question. Jean-François Champollion écrit « Le mot « tout signifie « les lieux de toutes ». Parce que vous devez savoir que c'est ce mot qui donne le nom de la divinité qu'on appelle Thoth. Ces mots sont, c'est le, le même mot, c'est la même racine, c'est le même mot. Sauf que parfois on parle de l'idole, parfois on parle de la divinité, mais fondamentalement c'est la même chose. Je vais l'éclairer par là-dessus, mais pour l'instant, je vais déjà lire le texte. Ensuite, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Bon. Copte, tout, statue, idole. Champollion écrit, le mot nimantut signifie les lieux de Thoth. On pourrait aussi le traduire par les lieux sacrés les lieux des simulacres. C'est pour cette raison que j'ai dit tantôt que, en fait, c'est le même mot pour dire tot en tant que Dieu, le Dieu de l'écriture, hein, naturellement, et les lieux sacrés. Donc, ce qui est sacré, ce qui, est, qui participe des simulacres, c'est-à-dire des représentations des images d'Osiris. Bon. Le mot nimantoth signifie les lieux de Tot, ou on pourrait aussi le traduire par les lieux sacrés, les lieux euh, des simulacres, car le mot tot signifie aussi un lieu sacré. Comme toute désigne un temple, une idole, puisqu'on le trouve traduit par le mot arabe Sanam. En arabe, Sanam signifie l'image, euh, l'idole, si vous voulez, euh, en, en foufoulé, c'est-à-dire un peu, on va dire Sanamou, par exemple, pour signifier la même chose. D'accord Donc, les Arabes d'Égypte traduisent ce mot copte par Sanam. Voilà pourquoi on est donc assuré du sens. Bon. Au reste... Les deux mots, tot et tot, dérivent de la racine tot ou tot qui signifie congrégare. Ici, c'est du latin, c'est-à-dire euh, mettre ensemble, d'où le mot congrégation en français. Voilà pourquoi tot est le maître du clergé égyptien, c'est-à-dire le patron du clergé, le patron euh, du clergé, autrement dit des, des sociétés initiatiques. Je vais y venir. Donc, au reste, les deux mots, tot et tot, dérivent de la racine tot ou tot, congrégare, rassembler, de la même manière que le mot grec. « Ecclesia », dont nous avons fait « église » signifie « rassemblement, congrégation ». Donc, c'est le même paradigme en fait, qui est appliqué lorsqu'on parle des églises, c'est-à-dire des temples chrétiens, par exemple. Bon. Quelquefois, les coptes ont employé un mot égyptien pour désigner les temples chrétiens. C'est celui de « Nimanton, qui signifie mot à mot « le lieu de la congrégation, le lieu du rassemblement ». Il n'est qu'une traduction exacte du grec « ecclesia », c'est-à-dire « église ». Champollion, et ça c'est moi qui poursuit ajoute ou dit que le théonyme Tot, c'est-à-dire le nom maintenant de la divinité retranscrit Tot en grec et Tot en latin dérive du mot Tot qui signifie rassembler. Bon, sauf que ce mot, je donne ici quelques exemples pour que vous vous l'ayez en contexte. En Kikongo par exemple, on va dire tota pour signifier mettre ensemble, réunir en tas, mettre en contact, mettre en communication. En Banda en RCA, on dit toté Tote, c'est se marier, c'est-à-dire rassembler, mettre ensemble. En doigt, là, c'est tot, c'est le point. Qu'est-ce que c'est que le point Le point, c'est la manifestation géométrique de l'unité, c'est-à-dire ce qui est mis ensemble, l'unité. D'accord En mandinka, on va dire doti, c'est le point. De là d'ailleurs l'anglais dot. Quand vous dites par exemple c'est pas moi. com, ce dot que vous dites en anglais là, c'est ça, c'est le nom de tot, le point. C'est de là que ça vient, en fait. Hein, vous devez le savoir, c'est le, 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 nom, le nom que porte le point au, au sein des langues subsahariennes. Notamment en douala, c'est Toti. Et c'est le nom même de tot, Parce que il est, est, son nom est polysémique, en réalité. Il y a plusieurs sens. Mais si on comprend que rassembler, c'est faire une unité, on comprend pourquoi Tota, en Kikongo, correspond au douala Toti qui désigne le point. Bah. Ici, je vous présente donc tot et Isis. Ils sont ici en situation. Vous avez ces deux personnages sont très importants. Isis, c'est elle qui va organiser le culte. Hein? La, le clergé égyptien, d'après ce, ce que rapporte Diodore de Sicile, je l'ai indiqué au départ. Il dit que Isis va appeler les sociétés initiatiques, sociétés auxquelles elle va, elle va, elle va confier dans les simulacres que d'Osiris. Okay? Tod que vous voyez avec elle ici, c'est le patron du clergé. Et en face de ce tien. Une chapelle, c'est une chapelle osirienne. Dans cette chapelle, il y a quoi Il y a ce qu'on appelle la nébride. Sauf qu'ici, on a laissé apparent ce qu'il y a à l'intérieur. La nébride, c'est quoi C'est une outre de peau. Une outre de peau. Cette peau est toujours tachetée. Enfin, je vais dire souvent tachetée. Souvent tachetée, parce que les, les, les taches en coque, par exemple, pour dire mouchetée, tachetée, on dit tio tiou C'est une duplication des siou qui désigne les étoiles, d'où les peaux tachetées, même quand vous avez des cultes. Euh, du, le culte du félin dans les sociétés initiatiques en Afrique subsaharienne, c'est de cela qu'il s'agit la peau du léopard, ce sont les étoiles que vous voyez sur sa peau là, que portent les grands initiés, c'est ça, hein, c'est pas autre chose mais bon, ça c'est encore autre chose pas. donc, vous avez ici une chapelle osirienne vous avez ce qu'on appelle la nébride, à l'intérieur vous avez les 13 morceaux, du... enfin on a représenté des parties du corps, mais un y en 13 c'est pour symboliser les 13 morceaux du corps d'Osiris donc c'est le corps d'Osiris qui est à l'intérieur voilà pourquoi on sait que c'est une chapelle osirienne. Cette image que vous avez à l'écran procède d'un papyrus qu'on appelle aujourd'hui le papyrus Jumilac, hein, qui se trouve au Louvre, hein, au musée du Louvre à Paris. D'accord C'est un papyrus de rédaction relativement tardive, mais qui reprend des textes plus anciens. Enfin, voilà. Pour ceux qui s'intéressent, je vous invite à, à questionner le fait, même sur Internet, vous verrez de quoi il s'agit. Donc, c'est un papyrus important dans lequel on trouve donc Isis et Thoth. Isis, c'est-à-dire celle qui va organiser le clergé égyptien. En attribuant un simulacre contenant chacun un morceau du corps d'Osiris. Et Thoth, inventeur de, des signes, de l'écriture, bien sûr, mais pas seulement, en fait, de toutes les opérations intellectuelles, c'est-à-dire de l'esprit, et autrement dit de la lumière, parce que Thoth, en fait, fondamentalement, est, asso est associé à la lumière, puisqu'il est l'expression de la sagesse, hein, fondamentalement. Eh bien, ils sont ici en train de, de, de. Ils sont tournés vers une chapelle, qui est une chapelle osirienne qui contient un objet de culte très important en Égypte pharaonique qu'on appelle l'Anébride. C'est ce que les, les, les Bambara malinquais appellent aujourd'hui le boli. C'est la même chose. J'en ai souvent parlé à d'autres occasions aussi. C'est le boli. Bon. Qui contient donc les morceaux du corps d'Osiris. Hum? Les morceaux du corps d'Osiris, ici il y en a 13. Bon. Ce qui est intéressant avec cette image, c'est que le scribe a pris le soin le scribe a pris le soin de nommer de nommer la chapelle de nommer l'objet décrit, de nommer la chapelle. Hein. Le, vous avez ici un groupe de signes que j'ai encerclé ici en rouge qui nomme en fait la chapelle, qui dit, qui donne le nom de la chose qui est en fait, qui est, qui est, qui est, qui est ici mise en, mise en situation. Donc ici, en l'occurrence, bien sûr, la Nibiride, ou tout au moins la chapelle, la chapelle aux Irènes, parce que la nébrite porte un nom spécifique sur lequel je ne vais pas euh, m'étendre aujourd'hui, parce que ça, ça aurait été long, mais... Euh, tout au moins ici, le scribe a inscrit en fait le nom de ce qu'est, de ce que représente à fait ce qu'on appelle la chapelle osirienne, c'est-à-dire la chapelle qui contient les morceaux du corps d'Osiris. Okay. Bon. Ici, je reproduis donc la même graphie. Elle, peut, elle, peut, elle, est, elle est parfois représentée verticalement, parfois horizontalement, mais c'est la même chose. D'accord La transitération, c'est quelque chose comme tiou Tioutou, c'est ce qui est écrit ici. Tioutou, hein? chapelle osirienne. Qui procède donc du papillon juménac. Mais sachez que ce que le scribe reproduit ici n'est autre que le nom de la statue de l'idole. Parfois, on va écrire tout », comme vous le voyez ici, pour signifier statue-idole. La variante, c'est tout et « Tout Tout C'est ce qu'il écrit ici qui est transitéré tu ou Sauf qu'il a écrit phonétiquement la chose. D'accord Ça aussi, c'est important de, 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 savoir, de savoir interpréter de savoir que ce sont des, 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 des mots qui se lisent. Donc, ça revient encore à, à ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire que, évidemment, euh, les perspectives ancestrales sur ces questions rattachent les cultes initiatiques à ce qu'on appelle aujourd'hui régulièrement les fétiches, sans la charge négative que ce mot peut comporter en français, hein, ou les idoles, sans la charge négative que ce mot peut comporter en français. Parce que je rappelle par ailleurs qu'un copte. Le, les, les Coptes participent de la, du, de la première chrétienté, je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Pour signifier Dieu, ils disent « nouté ».« Nouté », c'est ce qu'ils disent. Dans la Bible, « copte », pour dire Dieu, on dit « nouté ». Mais « nouté » signifie « image, portrait », c'est-à-dire « idole ». Donc, on ne peut pas, à la suite de cela, vous venir vous indiquer, vous rappeler, vous dire que vous êtes dans l'idolâtrie, dans je ne sais quoi, le fétichisme, alors que les mots, pour les mots, ils, ils, ils désignent en fait la même chose. Donc, il faut savoir se dégager de, de ces pièges avec intelligence, pour être dans la vérité et savoir ce que c'est que la spiritualité. Parce que si on ne le sait pas, on, on, on passe un peu sa vie à singer des choses qui ne nous aident pas. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, ça revient encore à, à, à ceci que, en fait, le nom de la chapelle d'Osiris, c'est le nom même de cette divinité qu'on appelle Thoth, qui est le maître des signes. Parce que vous devez savoir qu'en fait, les morceaux du corps d'Osiris, ce sont les signes. Hein, je l'ai souvent dit aussi. C'est-à-dire les éclats. Tio. Bon, et vous avez donc le nom de Tot qui s'écrit de cette façon. Hein. C'est transitéré euh, Diouti, c'est comme ça que les égyptologues lisent. On dit Dioti pour dire Tot, ok. Mais c'est un mot composé. Ici, j'ai décliné, enfin, j'ai dégagé les deux parties du mot pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit et comment ça se lit en fait, ok. Vous avez la première partie du nom qui correspond au Malinke Bambara Dio, pluriel Dio. Qui signifie quoi? Hôtel, fétiche, ok? En Bambara, Malenke, on dit diou, pluriel diou. Même à l'oreille, ça sonne, c'est quasiment étant, c'est comme un homophone de tiou. J'espère que vous l'entendez, je ne vais pas nécessairement le redire, parce que les tiou, les signes sont liés au diou. Dans, dans la culture mandée, c'est clair et c'est net. On ne peut pas faire un temple, un hôtel de phare au centre, tracer les signes, c'est pas possible. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, il faut aussi faire appel à la connaissance qu'on a des, des, des traditions pour valider ce qu'on sommes en train de dire. Mais pour ceux qui, évidemment, n'ont pas la connaissance de ces traits, c'est pour ça que j'insiste. pour que vous fassiez toujours ce lien. Ok? Ça veut dire que chaque temple est spécifique à une destinée, à un signe. Autrement dit, si je donne un exemple concret, la mosquée, par exemple, de Bamako, ce n'est pas la même mosquée du Caire, ce n'est pas la même mosquée de la Mecque. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Même si on dit que tout ça c'est l'islam, fondamentalement la localisation géographique ce c'est pas la même chose parce que les puissances locales, c'est-à-dire stoniennes euh, du lieu, c'est pas pareil. Donc on a beau croire hein, qu'on fait la même chose, mais on fait pas tout à fait la même chose. C'est la même chose pour les le et les diocèses, c'est-à-dire Sainte Notre-Dame de Paris, ce n'est pas Notre-Dame de Guadeloupe ou Notre-Dame de, je sais pas moi, de, de, de Dakar. Non, ce n'est pas pareil. Dans l'esprit de la chose, ça ne pose aucun problème. Pourquoi Parce qu'il euh, y a autant de temps qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Dans le ciel. Voilà. Et cette diversité, c'est la volonté de Dieu. D'accord Mais il ne faut pas quitter Dakar. Pour aller, je ne sais où, prétendre que là-bas c'est la terre sainte alors que et la terre du sénégal n'est pas sainte. Le soleil éclaire toute la terre. Pourquoi c'est mieux là-bas et pas chez moi Alors que le soleil m'éclaire autant. Il y a la lumière chez moi aussi et même beaucoup plus puisque nous sommes bombardés en Afrique par les rayons directement. Le soleil est en face. Donc il faut bien, inter... faut, faut, faut comprendre quand même ce qu'on dit et ce comme... qu'on fait aussi. C'est important, ouais. Donc, Diou, ça veut dire les hôtels, au pluriel, les, les temples, les fétiches, en Bambara malinke, c'est ce que ça veut dire, si on traduit en français, bien sûr. Et la seconde partie du nom, c'est Ti ou Tigui, qui signifie le chef, le maître. Donc, quand on dit diou c'est du malinke, parce qu'en Bambara, on va dire diou pour dire. Le chef des cultes, le chef du culte d'une divinité. Parce qu'il est le patron des, du clergé égyptien. C'est-à-dire le patron du clergé soudanais, le maître des signes. C'est ça. Tot. C'est ce qu'il est. C'est ça son nom. En malinqué, c'est Dioti. C'est-à-dire le chef du culte d'une divinité. Au pluriel, on va dire Dioti. Dioti, c'est-à-dire le chef des hôtels, des fétiches, c'est-à-dire des signes. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est du malinqué. Je le dis aussi parce que... On... Donc, et vous voyez que c'est un thème polysémique parce qu'on dit Dioti, on dit Doti, par exemple, à Mandinka, on dit Doti, c'est le point, Dioti, c'est le chef, le chef euh, du culte d'une divinité. Parce que ça, 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 ça sonne pareil. Voilà pourquoi ce sont des thèmes polysémiques, puisqu'on parle évidemment bon, de ce qu'on appelle Dieu. D'accord Donc, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une signification, ce serait vraiment s'égarer que de croire qu'avec une graphie, vous avez une seule signification. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'on parle du divin ici. Donc, c'est nécessairement polysémique. Et ça fait appel à plusieurs, plusieurs, plusieurs choses. D'accord Qui sont bien évidemment fondamentales pour la compréhension et la pratique même culturelle des peuples, des peuples soudanais. Ouais. Donc, euh, c'est cela. Et si on approche de la conclusion, et si je terminerai simplement en, rappeler, en rappelant une note qu'on trouve dans le dictionnaire de Delafosse. Et il parle un peu de cela. Il dit qu'au sein des langues mandées, on dit, bon, il écrit de différentes façons. Diou, 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 désigne une divinité au culte généralisé et au pouvoir spécialisé. Parce que c'est toujours localisé. C'est toujours spécialisé. C'est ce qu'on appelle en français les fétiches. D'accord C'est toujours spécialisé. C'est comme ça qu'il faut comprendre la spiritualité. D'accord, donc je reprends. Donc, quoi qu'on qu vous dise, le christianisme, c'est une. C est, c est une Pratique spécialisée, c'est pas universaliste, c'est faux, c'est pas vrai, y compris l'islam. Bref, quelle que soit la pratique, actuelle, du point de vue du pari et même de la loi fondamentale de l'univers, ça n'existe pas une compréhension différente de ce que je suis en train de vous dire là, ça n'existe pas. Si vous analysez, vous secouez bien ça dans le tamis, ce qui va en sortir là, c'est ce que je suis en train de dire. Certes, avec quelques imperfections, parce que je suis un peu pris par le temps, mais je crois que j'ai dit ce qui devait être dit et ce qui est essentiel, je pense que vous l'avez compris. Dans le dictionnaire de, de la fausse note qu'au sein des langues mandées, Dio, Dio Dio désigne une divinité au culte généralisé et au pouvoir spécialisé, un objet consacré à une telle divinité, une amulette ou un talisman agissant par sa vertu ou une société consacrée à son culte. Le terme Dioti ou Diotigi désigne le chef du culte d'une divinité, le chef d'une société consacrée au culte d'une divinité ou le gardien c'est-à-dire le détenteur d'un objet consacré à une divinité. C'est ça, Dioti. Dioti. En malinqué, c'est ça. D'accord Donc, c est, c est... vous voyez qu'il y a aussi la notion de spécialisation. C'est-à-dire, avec, par exemple, l'angéologie des chrétiens, vous savez bien qu'il y a des, des églises qui sont consacrées. Euh, l'ange ceci, l'ange cela, le saint ceci, le saint cela, tout cela participe de ce qu'on appelle les, les, les images. Voilà pourquoi on représente les saints, voilà pourquoi on représente les anges. Donc ils sont dans la même perspective, mais ils diabolisent l'original en fait. Pourquoi Pour se faire de la place. Donc c'est assez... Quand on l'a compris, il faut être intelligent maintenant, savoir ce qu'il reste à faire. Est-ce qu'on va continuer ce qu'on fait au bénéfice d'autres personnes qui, dans le fond, ont aussi participé <laughs> Je veux dire, à une forme d'aliénation permanente, parce que le soin n'a jamais été qu'on arrive à réinterpréter les hiéroglyphes. On a interdit la pratique pour laisser émerger le, le christianisme, parce qu'il était évident que si, évidemment, les anciens égyptiens, on avait maintenu la connaissance des, des signes, jamais on aurait pris le christianisme au sérieux, puisqu'on comprend que tout est tiré de là, y compris pour l'islam. C'est la même chose. On a interdit la représentation, parce qu'on sait qu'il eh peut y avoir... Euh, euh, quelques, quelques, quelques compétitions. Et à ce jeu que le meilleur gagne. Le meilleur gagne au niveau de la vibration. Et à ce jeu-là, pardon de le dire, mais c'est encore la mélanine qui est, parce qu'elle est noire, c'est-à-dire l'obscurité, vibre à un niveau, mais très largement supérieur à tout ce qui peut exister sur Terre. Je pense que vous le savez, si je, vous le savez pas, eh bien je vous le dis, à ce jeu-là, quand on dit que le meilleur gagne, c'est pour ça que vous observerez souvent des discours du genre, oh, les peuples qui imitent, bon, sont très spirituels, toutes ces choses... Oh, bon. Évidemment, tout ça se déverse dans les églises de le réveil, on en fait tout un peu et n'importe quoi. Mais ce, cela dénote d'une un, façon d'être qui, lorsqu'elle est bien organisée, produit des, 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 des merveilles. L'Égypte antique est là pour en témoigner parce qu'à cette époque, nous étions nous-mêmes dans un paradigme qui est conforme à, à la volonté de Dieu, c'est-à-dire à la loi fondamentale. Voilà pourquoi cette civilisation a produit des, des merveilles. C'est clair. Donc, c'est de cela euh, qu'il s'agit. Et euh, naturellement, pour ceux qui souhaitent poursuivre cette conversation, je le dis encore une fois, c'est encore euh, l'occasion euh, d'indiquer que vous trouverez donc euh, les éléments que j'ai euh, présentés aujourd'hui dans ces ouvrages euh, la revue Kumaba, Sigidolo, l'étoile de la circoncision ou le sang du, du griot. Je remercie, je remercie également ceux évidemment qui rejoignent la chaîne ou qui s'abonnent à la chaîne. Et cela nous permet évidemment de, 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 de perpétuer ce, de tels exercices car à côté de, de cela, nous avons aussi de nombreuses activités, mais je prends toujours le soin de rendre disponibles, en fait, certains éléments qui permettent aux uns et aux autres, bien sûr, de comprendre où nous nous situons en ce moment dans cette quête de vérité, dans cette euh, perspective de, de renaissance qui a été souhaitée et annoncée par le professeur Cheikh Anta euh, dans le siège duquel nous nous, nous nous situons modestement. Voilà. Donc, je vous remercie euh, de votre attention. S'il y a quelques questions, naturellement dans les commentaires, je pourrais y revenir avec plaisir. Simplement l'indiquer en commentaire, les questions, je pourrais y répondre le moment venu. Et je vous adresse le salut de Bruce. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Merci. Mmh.